Dans l agent double, mais tu sais. Belle chasse, puis la Beauce, t'es à côté. Pis Chris, il était agent double dans, dans la bosse. sais, aujourd'hui, là, tu pourrais plus faire ça de même là. Tu pourrais plus. Mais toi, toi t'étais jeune, mais. Ouais, non, moi je suis après. Euh, euh, Ou c'était avant, à... avant que tu sois là. Mais t'as quel âge là, maintenant? Ah. Moi j'ai 44. Okay. Mon père, dans le fond, quand il arrêtait la police, ben là, il nous reconduire puis il a commencé à vendre des chars pis tout. Mais euh, le show s'est libéré. Avant nous autres. Fait que lui, il a commencé à faire de la radio. Fait que là, moi, j'opérais mon show. c'est des souvenir incroyable, là, tu sais. J'étais de la radio avec mon père. Puis là, il paye en 73, Puis il a recommencé à faire de la radio. tu es, à es sérieux? De place. Il était en ondes de tous les jours, en même temps que moi et Carlis. Pour vrai? Oui, c'est malade, tu sais. C'est fou, là. Puis là, ben, on a starté notre Seigneur 3A qui voit l'année prochaine. Ouais. Fait que là, mon père était. Il a plus de la radio, ben, dans le hockey, il a tout le temps été pas mal présent. Fait que euh, j'ai fait présenter. Le, le, il nous a présenté à la conférence de presse du plus gros club de hockey qu'il n'y aura jamais eu dans Bellechasse, tu sais. Puis c'est moi le président, si. Fait que là, il faut présenter ça à mon père qui écrit il y en a plus de fêtes qui en restent à faire. là. Oh oui. Qui est en forme quand même mais qui a pris un petit coup de vieux. mais juste ça. Ça n'a pas de prix. Ça a pas de prix. Là. Pas de prix là. Fait que c'est ça que tu essaies de faire avec les gens. Je voulais au moins avoir un, un, un projet qui n'a pas rapport à. Que c'est pas... Euh, oui, c'est sûr que ça va t'en rester ton père comme c'est ça, mais que là, on est comme tout. Euh, on part un, vraiment un, un projet pour faire Bon, ben, t'as tes responsabilités, j'ai les miennes. Ils sont payés. Ouais, c'est tu sais, ça. Tu comprends? Non, non. Déjà là, ça change. Euh, ok, ça là, okay, droit, okay ouais. non, non, non. Puis juste le dernier. Ça fait juste six mois, tu sais. Juste voir. Juste le six mois de Ok, oui, t'es en train de faire ça Là, mon gars, t'arrêtes en train de... Là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je travaille pour des streamers en, en France parce qu'ils ont vu mes affaires. puis on... C'est bon, mais là. C'est nice. Ouais, bon, ben, mais juste au niveau de la... La communication, Chris, ça a pas de prix, là. C'est tout du. C'est comme du seat time. Là. Exact. C'est la même chose. Exact. Mais ça, c'est tout de quoi, toi, avec ton père? Comme tu dis, il Ben pas moi, dans ce temps-là, moi j'avais 15 ans. Fait que. Dans, dans mes. Ouais. Dans mes premiers temps. Fait que là, j'ai appris beaucoup sa musique parce que mon père connaît la musique en Chris. Fait que là, fait que 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 que... Un, am un, un, un amoureux de la musique. Ah oui. Ben oui. Même il y a personne qui joue ce que mon père joue à radio. T'es sérieux? Mais, oh, ouais. Des années 60 à aujourd'hui, je te dirais que. C'est pas mal, le king. Quand mon père sera plus là, toute la gang, les Oula, puis est les Belcanto, les abijons, les Classel, ouais. les Anglo, puis les, les, les Johnny Farago, puis ils ont fait, tu sais, paye, joue ça. Fait que moi, j'ai appris là-dedans. ça que c'est à base quand même, ça C'est à base là. Fait que c'est pour ça que ça a fait ce que ça a fait, là. Tu sais, après ça, il y a eu le chouette, puis ça a déboulé, J'ai jamais arrêté en... depuis que j'ai 15 ans. faire enfin, de la radio. C'est Mais... mon média, là. Fait que tu gardé, tu sais, ça, c'est des affaires. Ouais, on est parti. Oui, on même. est parti. On est parti. Moi, bien, c'est de même. Moi, j'ai pas de... J'aime on va rentrer. Ça. Ben c'est juste, ce que j'ai... Moi, ben, ça fait 10 ans que je consomme du ouais. podcast, puis tout ça, OK, puis du livre audio, puis tout ça, parce que je t'en charge. Ouais. Fait que Tu parlais de ton père tantôt, quand il était policier, puis il était sur la patrouille, puis il était sur la route. C'est ça que t'as. Mais j'étais Le content, médium quand de radio, c'est ça. J'ai mon premier podcast avec, avec Baron, qui est un bon chum à yes. moi, man. J'ai fait comme crif », c'est normal, le fun. C'est plutôt comme « je veux y aller ici. T'es bien fin. Fait que quand toi, tu, tu m'as écrit tu m'as dit, tu veux -tu venir au podcast, j'attendais juste ça, tu sais. Ah, t'es fin, man. Thomas Levac puis euh, Joe Alain, euh, ouais. je me suis invité puis ils ont ouais. dit oui. <laughs> puis ça, ça m'a remis ça à la map, je te dirais. Ben, c'est bizarre, toi, là. Mais ben Joe, c'est le premier. Quand on a sorti juste sorti de même, de même. On se connaît pas. Puis je ne le connais pas en tout Premier qui a fait Hey man, c'est nice. Ah, John, si jamais, cool, j'ai fait OK, deux, puis deux là, mon bon, steak, on va, on va, on va, on va ah, se ouais, voir là, là, beaucoup, mais On se connaissait pas. Ouais. Mais pour ça moi, marche, ça en podcast, dit tout le temps à Londres sur la personne qui fait Hey, euh, ouais, c'est hein. nice, man. Ben oui, c'est nice. Tu n'es pas obligé de le faire. Fait quand le monde le font, fait, tu fais comme OK, man. C'est sûr que ça me donne une note mentale. C'est tellement le fun. On a du temps dans être cassé. Moi, j'ai du fun. Je suis rendu le midi énergie à Québec on a du temps là, Ils ont... on s'arrange mais tu sais il reste que dans les podcasts Ben c'est ben, juste a deux de deux 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 ramener c'est juste de ramener la conversation fait il y a rien contre les entrevues c'est nice puis comme tu dis ouais en radio où? fait que là toi tu as tes segments il faut que tu fasses comme OK viens puis non mais il y a du monde que le 5 minutes ah 5 minutes il ben, faut, faut ouais. c'est pas tout le monde qui va te puncher pour les 5 ou les 7 ouais. minutes ou peu importe c'était ouais. là deux trois segments puis bon toi tu es là tu as job des entours ça va bien, mais des fois, leur donner la petite demi-heure, oh, ok, ça peut m'aller, woup, ben, C'est parce que tu reconnais tu... les... Honnêtement, ça fait longtemps que je fais ça, puis c'est le fun parce que je pense que, rapidement, je mets les gens à l'aise. Mm -hmm. fait que Quand ils viennent puis qu'ils ont 5-7 minutes, ils ont l'impression que ça a été long. C'est le fun. Même, ouais. Souvent, c'est « Ah, oh, ça a été vite, mais crime, on a fait un bon bout de pareil, puis ils sont à l'aise dans, dans, dans tout ça. » C'est plate en Christie, aller dans une entrevue, là, de te déplacer, puis tu fais deux minutes, puis finalement tu rien dit, parce qu'il y a deux, trois autres clowns qui parlent plus que toi, et puis il faut <laughs> leur donner la place, c'est plus compliqué. Là. Mais il y en a qui comprennent pas ça. Oui, mais en même temps... Le médium est là, c'est ça, puis c'est correct. Puis j'ai grandi là-dessus. J'ai grandi sur les, les vieux talk shows de Carson, puis ça, j'écoutais ça quand j'étais petit. Mais toi, t'étais plus, nice. plus chaud. Ton frère, t'as plus au hockey ou tu jouais autant que lui Non, non, non. Moi, j'ai deux de mes frères qui, qui ont gagné leur vie avec le hockey. Ouais. Moi, le, le talent, il m'a bypassé. Ouais, oh, mais t'es à bon bien. Non. non, non. Ben ouais, j'ai vu, vu c'est quoi marais, là. La... Danny, Danny. J'ai vu c'est ben, quoi bien jouer. Je sais c'est quoi. Je comprends. Ça ne veut pas dire que j'avais pas eu du plaisir à jouer, oui, mais tu fais. C'est d'autres choses. Je pas ça. C'est un peu comme moi, puis Raphaël Le le pilote de course. Yes. Que je m'occupe, que j'aide que beaucoup. Je ne suis pas son agent. J'aime pas ça dire que je suis son agent, parce que si j'étais son agent, je ferais de l'argent. Je n'en fais pas. Ce pas compliqué. Euh, mais tu sais, je vois la différence. Moi, je pilote des chars de course pour m'amuser. Lui, il pilote des chars de course pour gagner sa vie il arriverait avec euh, le corps de la voiture que j'ai, puis il finirait en avant pareil. Mais, mais ça, tu, le ça, tu ça. vas le voir, c'est juste Bien, si tu vas faire du go-kart. ouais oh, exactement. Fait qu'imagine, puis ils sont pareils, pareils, puis tu fais... Moi, okay. ça se fait que ça fait deux fois que je suis lapé. <laughs> avec la même affaire. <laughs> avec la même crise oh, de... Mais, tu sais, il y a de ouais. quoi là, tu sais, puis... Ben, en tout cas, pas Mais oui, je peux comprendre. Mais moi, j'étais tout le temps suivi. C'est ça qui est le fun dans tout ça. J'ai tout le temps pas mal à regarder ce que t'as fait. D'ailleurs, j'en ai quelque chose. Mais la même affaire pour moi. Oh, Chris. Il n'y a pas de problème. Tu es là toi. Oh, Chris, le national de Québec. C'est-tu dans ta. Ben, il serait peu. C'est-tu dans ta. Tu l'as-tu porté, lui? Si j'ai porté ce là là. Je n'avais pas ce chandail-là. mais... Ce logo-là, parce oui, qu'il y a ben oui. deux trois différents. Oui, parce que ça, c'est ben, le, le... Oui, parce que ça, c'est le reboot. C'est celui ouais. du reboot, puis ils ont juste fait un changement quand ils ont fait le film, oui ils, ils ont regossé. Ils ont mis ouais, le je Oui, ils ont juste... Mais ça, c'est la série, man Moi, la séquence, c'était important dans ma vie. Pour vrai? Bien certain. Ben, je sais pas. Quand je jouais au hockey dans la rue, des fois, j'étais Mario Lemieux, mais des fois, j'étais Pierre Lambert, aussi. <laughs> c'était ça, pareil, là. Denis <laughs> Mercure, Pierre Lambert, Marc Gagnon. C'était important, au Québec, là, pareil, là. J'ai toujours voulu jouer dans l'ancien compte. Moi, dans le temps que j'étais à, à Montréal, c'est l'un des derniers qu'ils ont fait. On, j'avais même essayé de postuler pour. Euh... Pour vrai? Ouais, j'avais fait euh, une, un, ben, un simili euh, une rencontre avec des gens, puis ça n'avait pas marché. Je voulais être le gardien, puis je pense qu'il avait pris euh, Fayol. Ouais. <rire> 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 tu vois, casting de bon pareil, là. Le casting était vraiment bon pareil, même là. Même pour, pour faire, la, même pour faire sa doublure, ça, pas... ça. Ça n'a pas, pas fait. Plus ça n'a pas fait. Mais euh, non, l'an compte, moi, c'est. C'est gros, là. Même encore aujourd'hui, ça s'écoute très bien. C'est surprenant à quel point ça a une longévité. Oui. À, à, à cause de la gang des années 80. Ben, parce que. Parce... Non, 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 non mais c'était mais solide. Oui, mais c'était ben, ben, la, ben, la première grosse. Une vraie série qui n'était pas un téléroman avec des décors en carton. Oui, c'est vrai. c'était pas un autre roman. Pas, un... Ben, puis que là, t'es c'était comme. Ouais. Hey, ils sont au colisée. Hey, ils sont là. Hey, ils ont. Tout le temps à la même tune hey, mais c'est écœurant. Moi j'ai le petit Jimmy de tatouer. Yeah, je le sais. Ouais, ça, cool, ça, ça faut, faut que tu m'expliques pourquoi, parce que j'ai aucune idée pourquoi t'as ben Jimmy. Euh... Jimmy, qui était le fils de Jacques Mercier, ouais. ponton, non, qui s'est ouais, élevé Jimmy. en troisième période. cest ça en troisième période? troisième épisode saison 1. <laughs> les dix dernières minutes à peu près dans ce coin-là. Ouais. Elle, là, ça euh, va pas bien. Ben dans le fond, pis ils sont sont Jimmy. Se, sont en septième game de la Coupe Stanley yes. contre les Bruins. Aucun rapport. Très bon. Oui, mais euh, ça a changé. C'est pas grave. Mais bon. <laughs> euh, puis là ben ils gagnent. Puis là, maintenant, les Bruins remontent. Puis là ils s'en vont en prolongation dans le colisée. Fait que là Jacques Mercier il part à la course puis il va chercher Jimmy en chaise roulante parce que tout le long du, de l'émission on le voit travailler. Parce que Pierre Lambert, il, il vient, il se fait mal à n'importe quoi. Oui, c'est ça. Puis ta réputation, que, ouais, il est en réhabilitation, lui aussi. Puis exact. Oui, que, oui, là, oui. il voit Jimmy, euh, qui est, lui, il a mis à marcher. Fait que là, fin de l'épisode, Jimmy, il vient. Puis là, Marc, il, pas Marc, mais. Euh, Yvan, ouais, Yvan ouais. il dit. Comment, euh, Jimmy? tu oh, ouais, Jimmy, t'es capable. En oui En oui. Lui, il t'a enragé après. <rire> <rire> puis là, lui. Jimmy là, puis, <rire> 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 Mais c'est touchant, <laughs> man! <Jimmy> c'est <laughs> une scène <laughs> incroyable! J'ai le goût de pleurer! Ça vient me chercher. Ça t'a tu... ça, ça vraiment marqué pour vrai. Et, là. Et, incroyablement. Écoute, c'est wow. le, le dénouement de l'ancien compte. Puis après ça, ils partent, puis ils font un but très louche, où ils font une passe derrière <laughs> le Gauleur. Tu une hein, passe? Fait que pis, mais Marc Gagnon fait une passe à Lambert, qui a mis dedans, après ça, on voit Lucie Baptiste en gros. Plan. Yes. <laughs> qui était sa blonde. Elle était belle, elle. était elle il y avait, ben elle... avait genre 17 couleurs dans les Ben, lui, georges il est venu, euh, Gérard, qui joue, euh, oh, j'ai oublié le nom de journaliste qui est là, là pis tu vois, il en parlait beaucoup, puis il tu sais, elle rentrait, puis. Un aura, genre. Pouh! Ça jase, mais ben, on dit Ouais, fait que c'était ça, dans 50 51. Hein. Mais euh, ouais, petit Jimmy, je trouvais ça cool, je trouvais ça drôle. Moi, ma blonde est tatouée, fait que a, a testé beaucoup sous moi. OK. Fait que j'ai une cuisse que c'est pas mal, toutes ses premiers. Puis l'autre, c'est un de mes chums que j'ai dit, je veux Jimmy, à <laughs> donné. Fait que lui, il est plus dans le réalisme. <laughs> Mais tu sais, ça a été tough parce qu'on était pas capable de trouver une photo claire de cette scène-là parce que vous ouais. veux pas c'est tourné bizarre. Fait que c'est euh, pas, pas le plus beau tatou que je mais c'est très drôle là. Le petit Jimmy C'est vraiment Jimmy qui s'est se dans la chaise. Oh. Gars, je <laughs> je Quand ça je l'ai fait! Euh, RDS, il avait fait un. Euh, un topo là-dessus? Pas un topo, mais il avait fait un affaire sur internet là, pour dire que. Euh, <laughs> j'ai envoyé ça à Régent Trembleu <laughs> à un moment donné. Ouais. J'ai dit j'ai le petit Jimmy, il a répondu Hein? <laughs> Il a juste répondu... Hein? Le vent Ponton n'est pas au courant. c'est pas. Je pense pas. Puis j'ai essayé de chercher le petit Jimmy. Ah, j'ai aucune idée c'est qui ce petit garçon-là. J'aurais aimé essayer de montrer. Ah, ça aurait été drôle dans ta barouette. Mais toi, t'as joué le rôle de Francis Gagnon qui était joué par. quand il était jeune. Euh, 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 yeux bleus, euh, cheveux blonds. Euh, 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 ah! Goyette! Patrick Goyette. Guy... Ah non, pas, de pas, Patrick pas Patrick... Mais guy... Michel Goyette. C'est Michel Michel ouais. drôle, ça. Oui, Michel Goyette. Il savait pas patiner, lui ou quoi? Non, je... de ce que j'ai pu en savoir, il y a trop de monde qui est décédé pour avoir la vraie version. là Mais de ce que moi, j'ai su, quand ils... moi, ils m'ont demandé deux fois d'y aller. Puis deux fois, j'ai dit non. Okay. OK. Tu voulais pas aller là, toi? En 99, on, on ramène l'ancien compte. OK, on y aimerait de voir. J'ai fait non. Je suis trop petit pour être ouais. un joueur de hockey. Je sais, c'est quoi des joueurs de hockey? J'en ai dans ma famille. Bon j'ai grandi avec des petits joueurs de hockey. Il y, avait juste... il y avait juste fleuri dans le temps. Dans le temps, c'est vrai. Il y avait juste La fleuri. As de... eu des, 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 des de Après, Bouillon, puis... puis tout ça. Puis, OK, il y en a eu des gars, tu sais, comme. c'est Francis. Quoi, quoi, vous, vraiment, pas gros, là? Non, mais c'est plus tard. Ouais, ouais. Fait, fait que pour moi, c'était pas possible. Parce que j'ai grandi, des... grandi avec des vrais joueurs. Ils les ils jouaient tous dans le pro. Fait que j'étais comme, Voyons, vous êtes pas sérieux. Non, pour moi, là, c'était comme, c'est pas sérieux, ce, cette situation-là? Non. Deux fois? Non. Puis là, je sais pas comment, il est arrivé de quoi. Puis euh, je fais, ah, je vais y aller. Crise de chance. Ben parce que oui. ça a été ma plus belle job à vie. T'en fais, tu parles encore, là, tu il y, a, il y a toujours une vague. Pourquoi? Une vague en Ils, dans ils reviennent, comptes. ils rejouent, genre. Il a, on, on dirait que Oh, t'es là, ils on les ont mis, il n'y a pas de Oui, pis, mais on dirait aussi qu'il y a des gens qui, à chaque, je sais pas, peut-être euh, deux, trois ans, ils font, hey, on. Oh, on réécoute Testi, on repart du début. Puis là, réécoute les coffrets. Puis là, il y a comme un effet boule de neige, man. Puis, hey, y'a un gagnant. Puis ça revient tout le temps à dire après ça quand est-ce Quand est-ce que vous en faites un autre Puis là, ils ont voulu vraiment à chaque, chaque fois que je fais. On attend juste ça, nous Ils ont tué tout le monde dans l'autobus. Ils, ils ont dit, on le refait jamais. C'est fini, là. là c'est sûr. On tue tout le monde dans l'autobus. <laughs> oui, mais on a fait ça une série là. après l'autobus. Ouais, C'était le film. Sais. On était là, tu sais. C'est sûr. Bon, et... Marina n'est plus là. Bon, ça, c'est rough, tu sais, là. Mais, euh, mais nous on veut. Juste bien, parce, bien, parce que, Danny, tu fais. Là, je vais être payé à passer du temps avec mes chums. Voyons. Ouais, mais ça pas Voyons. de payer. Voyons. Ben non. Parce que c'est ça qui se passait, cette show-là. Tu t'en foutais si t'avais une histoire ou t'en avais pas. Ah, Il y a des années que t'en avais pas. T'étais juste là. là. C'est juste que là, t'allais passer du temps. puis en, en, en écoutant. Parce que la seule affaire que j'ai écoutée sur toi, j'ai écouté quand t'es allé avec Jerry. Ouais. Okay. Okay. Le, ça fait deux ans à peu euh, près. De ça, ça. Deux ans, deux, cas, Avant la deux, pandémie. Deux, trois ans. Oh, vite. Puis, oui. un moment donné, euh, Bob Bissonnette est venu ouais. sur le... Ouais. Bob <laughs> était là. Bob était un de nos joueurs. Ah, ouais. Bon, Etienne. Oui, oui. Ouais. Il y avait Christian Broca, Broca qui était un de nos joueurs. On avait deux, trois guitaristes. Étienne euh, Drapeau était un des joueurs. Tout en même temps, là. Bob, que, il, il, était, il était dans l'équipe. Bob était un des joueurs pendant au moins quatre saisons. Ah, ouais. J'étais pas au courant là-dessus, mais pas, pas en tout. Fait que voit tu des fois, on l'a ben rejeté. Sûrement, peut pas leur si, tu le, si tu regardes quand on voit dans, dans la chambre, c'est clair, tu ah vas le voir. Ah, ouais. Fait que nous, on l'a connu de vraiment juste hockey-hockey à. Hockey Mmh. moi il y avait une guitare l'année d'après il y avait une guitare puis ça n'a rien puis mon donné, c'était parce qu'on allait souvent à Québec puis c'était ouais ah, je, fais un... je fais un petit show euh, là on allait voir son petit show c'est Max Talbot puis on était là bon coup, euh... il est bon ben oui. il est bon puis là tranquillement à chaque fois qu'on retournait ah là, là je vais jouer là on, on se déplaçait tout on allait jouer on allait le voir on allait le voir on allait le voir tu sais parce qu'il y, y avait toutes sortes de monde il y avait bon. des, 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 des gars qui sont devenus humoristes qui t... C'était très drôle la, 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 la gang qu'il y avait de joueurs, les vrais joueurs. Mais tellement... Parce que Bob était bon, là, tu sais, là, c'était un bon joueur. À un moment donné, j'étais allé jouer une bah, main, On essayait euh... que ça soit tout à le même parce que. Puis ça, tu te demanderas quand, si, si tu rencontres des gars, mais c'était ça un petit peu le. le, ben, y a le, le statement. Non, ben, non, le statement, c'était que tu sois un, un 500. Un 500, c'est les numéros de, des joueurs. Tu sais, t'es un joueur ou tu es numéro 3 dans l'an, 50 C'est la même affaire. Tu rentres dans l'équipe, mais si tu fites pas ou si tu commences à tu, tu vas avoir un avertissement. Puis après ça, bye. C'est le team, bye. Oh, oh. On te laissera pas pourrir le bonheur qu'on a. Et ça c'était peu importe est qui. C'est avec un souvent. Ça pas, souvent. pas souvent, pas souvent, mais à chaque fois c'est des gens que tu ne revoyais pas. Jamais jamais. L'attitude, l'attitude, c'était pas méchant, tu sais, c'était pas euh, là, lui mais c'était juste comme un euh, Là, tu devenais une tête de turc, fait que tu voulais même pas revenir. Mais c'était parce que c'était comme non, non. Ici, tout le monde est égal, là. Que tu sois le joueur qu'on voit jamais, Chris, mais tu es là à toi pratique. pratique. T'es là à toi. Les fausses games, tu sais. Fait que t'es aussi important que tout le monde. Puis, si t'es pas là, on a une gang de cul, on est des acteurs. Puis à après aussi. T'sais, ben ça, c'était. Fait que là, on allait chercher qui? Ces mêmes joueurs-là. Avec nous autres, puis go. J'ai joué une coupe de game à un moment donné, je me sentais tellement. Écoute, je capotais. Euh... Tu sais, quand Manu s'en occupait? ou euh, Ouais, tu, Manu s'en occupait, ouais, c'est ça. Parce qu'au début, eu il euh, ouais. y a eu trois têtes fi de, de figure. Ouais. Une gang s'en est occupée, une autre gang, puis Manu, J'avais joué deux, trois Manu. games, puis j'avais joué avec Karl Marotte, man. Puis ouais. euh, qui, qui était là? Tu sais, que je me sentais tellement comme, ben voyons donc voir que je joue avec Karl Marotte au hockey, tu sais. C'est drôle, là. Le chat. Défenseur, tu... Un défenseur, hein? Oui, tout était même pas, Plus, pas plus tu temps. vieillis, plus tu... <laughs> T'es en amour, à un défenseur. En, avant en arrière. Moi, j'étais un bon comme... défenseur, défensif. <laughs> Je pense que j'ai trois buts dans ma carrière. <laughs> Une petite crise de babou J'étais pas, pas fin au hockey. J'étais pas fin au walkie. <laughs> T'étais-tu hargneux? Ah, j'étais épouvantable. Mais peu importe le sport. T'es encore le même. Ouais. T'es encore le même. Je peux pas jouer pour le fun. Je peux pas jouer pour le fun. C'est impossible. Dernière fois j'ai joué pour de vrai... C'est au tournoi à Bobissonnette, ils font ça chaque année. Il ouais. y a différentes catégories. On s'est ramassé en finale contre des filles. Ils ont gagné. Mais moi, il y, y a du monde dans les estrades. On est là pour me donner un show. Là, ils m'ont mis le 69 dans le dos. Déjà là, tu as le 69, tu la mascotte. Il n'y euh, a pas grand-chose. Mais es tu es-tu ouais. de même en arrêt du volant aussi? Quand, quand tu courses, je parle. Non, mais en course, je suis le gars le plus smooth. Je brise pas. OK. Mais au hockey, je viens fou. Ça a tout le temps été. Je me suis fait sortir du tournoi de mise en forme dans notre, dans notre patelin. Ah okay, quand... oh, non, non, non! <laughs> mais moi, j'ai appris à vivre à l'arena plus qu'à la polyvalente, je pense. Okay. Mon jeune. leadership, puis euh, monter une équipe, puis euh, travailler en gang, c'est pas mal des beaux moments, ça. Pour vrai, de ma fait que tu tu joué jeune? J'ai commencé, ou... commencé tard, j'ai commencé tard, Puis c'était pas du 2A, 2B, 2C, c'était plus une grave, ligue ça. de plaisance, mais qui marchait la Ligue à Palage dans Bellechasse, c'est très gros depuis okay. tout le temps. Fait que c'est les, les municipalités contre les municipalités. Fait que nous autres, on était Saint-Damien, on était les plus jeunes, les moins pesants, mais probablement les plus talentueux et les plus euh, hargneux. On était vraiment des euh, petits crismes. Oh oui. Puis on a gagné les, trois, les quatre années, on a gagné euh, chaque année, tout le temps contre la même équipe. Puis ils n'ont jamais venu à la bout de nous autres, Saint-Héreux. C'est jamais arrivé, <laughs> mais man, les bancs se vidaient, euh, les estrades bien pleines, tu sais. Puis c'est là qu'on a goûté un peu, je te dirais, le fame, tu sais. Oui, oui puis de bonheur! Fait que ça, je te dirais, je pense que ça m'a aidé dans ma carrière. d'avoir goûté à ça. L'esprit d'équipe, la famille, c'est important. C'est ça qu'on se rend compte souvent, moi. Tu euh, vois surtout lancer compte parce que là, c'était comme clair, là, c'était quasiment noir sur blanc de la gang. La ouais, gang Avec qui tu passes tes journées. Ouais. Avec qui tu. Puis qui des affaires. Puis il y a comme un soutien de. Il y en a un qui tombe, oups, right? tu ramasse pour le fond là, de la T'apprends que t'es peut-être bon dans tout. Puis t'as besoin des autres. Ben oui. Ben oui. C'est le même dans la vie. Tu sais. ouais, mais mais j'étais pas, pas fin, j'étais pas faim euh, comme je suis là. Je, je, je suis vraiment, honnêtement, <laughs> ça, ça fait prétentieux, mais je suis vraiment rendu une meilleure personne que j'ai été. Mais c'est pas prétentieux. Ça, ça j'étais pas, pas faim, j'étais pas, pas fin. J'étais pas J'avais vraiment une attitude de marde. Je savais où ce que je voulais, pis. J'avais pas compris qu'en vivant en communauté, je pense. <laughs> j'ai pas tout ta... pas En général, en dans la vie, là, t'étais ah, juste. Un gars, écoute, qui... mais un petit crise de coquille, tu sais. <laughs> je m'arrangeais pas à voir ce que je voulais rapidement. Okay. J'ai commencé tôt à faire de la radio, comme je disais tantôt. Puis, je me suis ramassé. Euh... C'est moi, c'est Chris, dans le deuxième plus gros marché de radio à, à l'âge de 18 ans. Mmh. Je me suis emmené à Montréal avec Cool FM. Je ne sais pas si tu te souviens de Cool yep. FM. C'était un hit en Chris. Malgré le fait qu'il n'y a pas tant de monde qui nous écoutait, le monde qui nous écoutait, il nous écoutait vraiment non, longtemps. c'est fou, on s'en fait parler ouais, encore. Ouais. Tu. Ouais, ouais. Puis là, ben, j'avais pris le lead de ça. Puis partout ce que je vais, j'étais un aimant, je pense, à, à rassembler. Mmh. Puis le plus beau conseil, j'en parle souvent, c'est Véro Cloutier qui me l'a donné. Véro, elle m'a dit T'es bon la radio, mais t'es coquille que le monde. T'es pas tout le temps fin que les auditeurs, puis t'es pas tout le temps fin que le monde avec qui tu travailles. Travaille là-dessus. Faut que tu sois hyper gentil, faut que tu sois plus que gentil. S'il y en a une qui a compris ça, c'est tu, elle, tu penses Puis elle avait tellement raison. Mais t'as-tu. Pris son conseil on the spot ou c'est quelque chose, est quelque chose qui est resté là, puis tranquillement, tranquillement il a commencé je, Tranquillement, je te dis. Parce que c'est pas évident. Parce que, mais non, mais non. En te parlant, tu vois, c'est quelque chose, je pense qu'on a Tu dis que t'es cocky. J'étais extrêmement arrogant. Je le suis encore. Je peux l'être encore. Je tu peux l'être encore. Mais avec les années, puis il y a des commentaires qu'on m'a donné mais sur le coup, t'es comme. Mais je pense que c'est le fait de voir des gens que je veux pas être. Hum. Mm. Tu sais, sur Facebook, ces temps-ci, t'as beau écrire... Moi, je suis Monsieur Life is good, love you all, tu sais. Yeah. Puis t'as beau écrire ça, puis il y a tout le temps quelqu'un qui va dire « Ah, oh, beau que ça la vie vie! Ouais. » Tout le temps. Shut up. <laughs> je veux pas être lui, moi, tu sais. <laughs> fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, autant ces médias sociaux <laughs> que même à la radio, puis même dans la vie, j'essaie le moins possible de, de critiquer le gars ou la fille qui est meilleure que moi. Virginie, elle est pas Virginie, mais Virginie Bouchard! Hein? Ta gueule, man! Elle a fait du cash plus que toi, à faire un sport qu'elle aime. Tu sais, elle a été dans le top mondial. Quand même que ça va moins bien, elle a toujours bien été là. Ou bien le monde, hein, quand j'étais un peu plus tranquille. Hasbin, est-ce que Hasbin? Je ouais, ouais, okay, Mais tu sais vrai, que c'était je... ça le titre au début, moi. C'était hein? ben, le Hasbin. C'est parfait. Mais, mais moi, ça me, ça me faisait rire. Mais t'sais, si, tu un, si t'es un Hasbin, man, c'est parce que t'as été quelqu'un. C'est <laughs> pour ça quelque chose. <laughs> tu sais, je me fais crier Big 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 Winner comme dans le temps Musique Plus encore aujourd'hui. Ouais. Ça fait 20 ans de ça euh... Ça va bien, c'est correct, mais tu sais, il faut être fin. Tu as tout à gagner à être fin dans la vie. Mais si c'est un, un fin qui est honnête. Ouais. Ouais. Tu sais, il peut pas être plus honnête. Tu sais, là. Fait que parce que si c'est honnête, c'est vraiment à toi, puis tu ne pourras pas plaire à tout le monde, anyway. Mais je jamais fait joué de game, que... madame. Va... Hein? J'ai jamais... ouais. toujours été moins. Je ne suis pas capable de faire autre chose. Parce que, c'est qu juste une question des fois. Je sais pas, je te connais pas assez, mais des fois, c'est juste de... c'est le volume. Des ben fois c'est juste ça, c'est juste toute. ça de monnée tu fais 12 wow. peut-être pas à 10 -toi. on va l'amener à 6 tout coup hey j'étais avec Danny puis ça hey, le fun ouais. c'était nice pis gère toi faut... Ouais. faut faut contrôler le contrôlable c'est tout c'est c'est pour ça peut-être j'aurais pas fait un bon comédien je pense parce que j'ai tout le temps joué le ben rôle oui. de moi tu sais de je joue pas de game oh, si je joue ça, pas je voulais ben oui c'est si ça je voulais j'ai fait une coupe tu de film, Tu voulais être comédien ou c'était plus. Non, j'ai jamais voulu être comédien, mais c'est quelque chose. J'aimerais ça jouer une police, moi, parce que je trouve ça flash, je trouve ça beau. J'aurais toujours voulu être une police. C'est que je me dis que de jouer une police à un moment donné, mais ça, ça se fait. Serait... Ben, je sais que ça, ben, ça se fait, mais moi, j'ai pas d'agent. jamais ah, Mais ça, c'est pas grave, ça. T'as pas besoin d'argent. Tu connais le monde, <laughs> tu parles, tu le dis. Tu sais, regarde, j'écoutais euh... une série qui était sortie euh, cette année. Bon matin, Chuck. Tu Crave. Chris bon. Puis c'est en noir et blanc, tout ça. Puis euh, Kevin Owens, le lutteur, il fait une police. Deux scènes. Ben, Très bon, vrai, man. Oui. Très drôle. C'est sûr. C'est une question Tu réseau veux dire, de a, y a, y a... Oui, oui, mais tu sais, tout, tout est possible, tout se fait. Parce hein. Moi, j'ai fait, fait trois films. Tu Moi, j'ai fait trois films. Tu as gros. fait Nitro. J'ai fait Nitro. Tu as fait, fait Bombe Roche. Ouais. Puis Transit. Ouais. Pis... Transit. Ouais. Pis... Transit. C'est lui qui me manque. Mais je me fais tuer par Miller. Euh... c'est correct. En commençant... Tu sais, mais... C'est le fun, c'est te C'était le fun. des expériences sur le fun. Bomber Rush, c'est un film très sous-estimé. Oui, mais ça, c'est Michel. Puis tout est tout le temps de l'autogérer. Un cest qu'il fait, est qu il bon fait film. des bonnes affaires. Mais comme c'est indépendant, c'est la distribution qui est, est difficile. Ouais. C'est vraiment la distribution qui est difficile. Tu pas le, le style de réseau pour faire, ben moi, on s'en va dans, je sais pas, moi, 400 salles. Non, on s'en va dans 12. Ça. Fait, ouais, Les on 12 ont été plaisants. On n'avait pas, pas. pas eu une non, salle. Ouais, Puis ça, on avait travaillé fort. Je pense que le seul qui nous avait donné un break, c'était Monsieur Goudzou. Ah, pour vrai? Je pense que c'est le seul où on avait. Puis ça ne savait pas toffer longtemps. Mais c'est encore un film qui s'écoute très bien aujourd'hui. Oui, mais les films à Michel sont bons. Ils sont durs de ouais, leur contenu, ben ouais. parce que c'est ça, lui, ouais. la vie qu'il qui, qui, qui représente. Fait que je peux comprendre, Michel Jotin, mais... c'est un gars qui fait des podcasts des fois. J'ai aucune idée, je ne connais pas du tout. Mais comme j'ai grandi. Avec Emmanuel ah, Auger. Auger? Non, non, mais Chris, Emmanuel Auger, déjà je le connais depuis 91. Fait qu'il a été dans l'histoire de peine. Fait que, que j'en entendais tout le temps parler, le. Oh, mais, là on, oh, mais là, là. là, on tourne de nuit, là, <laughs> on tourne de nuit, et là, on le même. Ben oui! <laughs> puis, tu sais, tu peux pas pas l'aimer, Manu. Là, fait, que, euh, fait que moi, j'avais tout l'autre côté, tu sais, de oh, là, on fait ça, là, on a peut-être gosse, ouais. on n'a pas d'argent, mais là. Mais ça donne tout le temps un produit que tu fais. Comment, comment, comment il a fait? Parce que c'est beau, puis c'est bon. Mais j'aurais trippé, euh, Roche avait un petit peu plus de moyens. Yeah. Et pas un bon rush, okay. euh, excuse. Euh, voyons. Nitro. Nitro. Ouais, Nitro, c'est un film-film. Ouais. Au moins, il y avait Tu sais, à chaque fois qu'il passe à la télé, je le sais pas, mais je le sais en crise parce que je reçois à peu près 25 messages. Laisse ton cash! Parce que j'écoute. Je fais une scène qu'on a tournée, je pense que ça a pris trois nuits quand même, ce crise de la, la c'est long, on Non, c'était pas ça. Laisse ton cash! Mais tu c'est moi qui sauve <laughs> la situation en donnant le <laughs> cash, tu sais. Fait qu'à chaque fois qu'il passe à la télé. Je le sais instantanément par messagerie. Écoute, oh, on t'a vu. là! » Fait que j'imagine pas, toi, comment ça peut être sur ton. Ça dépend des affaires. Parce que es, tu, tu l'as vécu aussi. Dans... Quand t'es au goût du jour, oh, ouais, là, tout le monde. Ah, oh, ouais, ben, je t'ai vu hier. Ben oui. Ben Mané, tu l'es plus. Bon, pis, mais ça, tu sais pas. Ça, tu penses que ça va t'offrir. Moi, ouais. quand j'étais à la Musique Plus, puis j'étais à Babu à bord, Babu à planche, premièrement à Musique Plus, on n'avait pas conscience de la chance qu'on avait. On était des kids, Chris. On avait 18, 19, 20, 21. Donne-moi un kid qui est conscient de la chance qu'il a. Chantier à Tu fait que aussi, je suis d'accord disait... avec toi. Mais continue, Mais il te... reste que je ne pouvais pas aller à Place Laurier, moi, à Québec, tout seul, cest parce que Chris. Tu que... Te faisais. Puis là, dans ta tête, tu te dis, ça va être de même toute ma vie. Moi, là, là je suis une star, là. Puis, euh, je sais pas, moi, cinq ans plus tard, j'allais à Place Laurier puis j'aurais peut-être pu même travailler là, là, tu sais. C'est éphémère, là. Mais c'est juste next. C'est pas possible c'est difficile de s'en rendre compte quand tu es jeune et ça s'explique même pas parce que même disons que tu sais souvent t'as as la petite question qui me fait rire à chaque fois si, si t'allais voir le jeune Danny qu'est-ce que tu lui dirais Ouf. ben moi je dirais comme ben, il, il, il m'écouterait pas fait que moi le Louis de 20 il ferait uh -huh. mm. ok mm. mm. ouais, c'est c'est bon des câlisses, le vieux <laughs> si je, je vais faire mes affaires ouais. fait que tu sais il y a ça puis c'est imp... Puis même si. Tu sais, voici le, 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 le seul parallèle que j'ai pu avoir avec mon frère. Quand l'Anse-et-Contre est revenu en 2000, puis on est au Colisée. Ça, je n'ai déjà parlé, tu sais, parce que c'est le plus beau moment de télé, moi, j'ai vécu, puis il n'y a rien ça qui va passé battre ça. Ça vieux Colisée, toi? Ben t'sais? oui. Parce qu'en 2000, on rentre là, on s'en va au vieux Colisée, puis là, c'est pendant, euh, je ne sais pas, une semaine ou deux euh, à Québec. Euh, hey, euh, l'Anse-et-Contre revient, si vous voulez aller des billets pour aller au Colisée. C'est gratuit, là. Mais tu vas perdre ouais, tu tu ta vie. en fait. Ouais, mais, mais le Québec non, mais, et, non, mais, oui, mais, il est. Ouais, mais ça, tu Moi, tu sais pas, là. Tu t'envoies là, là, tu viens. bien. On arrive là à 5h, 4h30, nous autres, 5h le matin, il y a déjà du monde qui attend dehors. Pour, no pour, 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 pour midi. Puis là, à 14 000 queues, je ne sais pas c'est quoi la capacité. Là, ils font, ben, là, ils disaient au monde On t'a plus laissé rentrer de gens C'était plein. Il y avait encore du monde dehors qui attendait, OK? Fait que là, déjà, ça, tu fais OK. On est en dessous. On attend, puis là, on est des nouveaux joueurs. il faut rester caché. Fait qu'ils ouvrent la, la première scène devant le monde. Ils font une game d'anciens. Fait que comme ça, ils peuvent mettre Carl, Ben. Ouais. Fait qu'ils peuvent aller chercher du stock shot là-dedans. Là. Non, juste pour. Juste la, pour entertainer. La foule. Fait que là, parce que là, après ça, ça devient une espèce de, de pratique avec une petite poche. Man. Jean-Claude là prend le micro, là. Puis il fait bon, euh, merci d'être là. Ouais, ouais, ouais. le monde. Ah. Ah, oh, mais euh, on va vous présenter une coupe de, de personnages. Puis ils sortent. Euh, la joueur. défense, de Robert, Marien. Ah mais là, à chaque nom, nom en dessous, là, on, assis, là, on est en dessous, on est assis, on est dans les catacombes. La même là. Le building shake. C'est pas une game le de. Le building shake, assis, puis. Mais Puis là, t'es comme un peu le on est là tu sais pas ce qui se passe Puis après ça calme pas de ça, son ça, c est, c est... Puis là j'ai fait ok man c'est ça peut-être que qu mon veut. frère est vit quand il est en finale de la coupe man puis il score ou au... je sais pas tu sais là, puis là ah! puis tu fais comme mais c'est dur t'es mort c'est comme si tu reviens ben c'est ça mais ça après tu fais hey, je veux ça tout le temps moi j'ai un parallèle parce que à soir parce qu'on on est un samedi aujourd'hui on est le 30 ouais, tu t'en tu au, au, au Monster truck c'est moi que l'année avec mon chemiase yes je fais ça depuis 25 ans. Tu sais, quand tu cries, fais du bruit, puis qu'il y a 50 fucking 1000 personnes qui. <rire> <rire> La La de Montréal-Québec, le lendemain, tout seul, dans ton esti de char, je sais pas si tu le sais, là. mais longue, euh, tabarnak, c'est comme, man, j'ai plus d'attention. Puis tu fais pas exprès, je te jure, c'est de même fois... à chaque fois. Je <laughs> te crois. J'en monte à Québec de nuit à soir pour ça, pour pas que demain, tu sais, je veux vraiment. Oh, le down! Non, 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 je veux pas. Puis le seul à qui je peux parler, c'est lui avec qui j'anime, parce qu'on yeah. on vit la même chose. Fait qu'imagine un gars comme Chester Bennington, Bedding... puis euh, Scott Welland, tous des gars qui sont morts après des shows. Mm. C'est ça qui se passe, là. Les le gars, ils se livrent, ils écrivent des tunes, ils les livrent, ils chantent, ils ouais. donnent avec le cœur, ils se ramassent seuls seul dans une chambre avec une coupe de. De substances bizarres, puis Chris il se parle. Ben oui, mais les substances, les premières fois, ils vont au moins te redonner un. Ok, je suis capable de. Année, ben, c'est comme ça. Tu chase, Mais un Chris tu de... chase, On le fait pour ça. Tu sais jamais. Mais je te suis, là, ton histoire de lancer compte dans le vieux Colisée. Il était sûr suite le vieux Colisée. Moi, j'ai fermé le vieux Colisée. pas vrai? Moi, j'étais le dernier à vivre un, 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 une hymne nationale à Blues Blues au Colisée parce que le dernier show qu'il y a eu, c'est Metallica. avec ouais. La qui le ferme. Puis après ça, il y a eu le Monster Truck. C'était le dernier show. Pis t'animais là? C'est moi qui l'animais. Fait que, fait tout le temps les hymnes nationaux. puis moi, le Colisée, je veux pas. J'ai grandi dedans. Mon père, il nous amenait voir les vieux nordiques. puis les pratiques mium mium. Pis les rafales, dans le temps, j'étais à la mascotte. Mais oui, pratique des blancs contre les bleus. C'est bon, man. Rendez-vous 87. moi, à 16 ans, j'étais journaliste sportif pour les rafales. Pis. J'ai vécu bien des affaires là-dedans. Fait que de vivre. Moi, je suis vraiment émo dans la vie. Là, moi, écris, je m'en fous totalement, là. Fait que là, je suis l'hymne national à part. Tout le monde est. Ah, hey, tu sais que ça va être fou des trucs. Tout, moi, je suis à la ligne bleue, même le seul à peu près. Je j'étais à la ligne bleue, puis je me dis comme je suis vraiment à la même place que Joe Sakic qu puis Que Tony McKekny. puis de. Je suis là, là, tu sais, je suis là. L'hymne national à part, je te jure, j'ai broyé tout là. Tout le long. C'était euh, la dernière, C'était la dernière rime nationale. C'était malade! Quel mauvais incroyable! Mais c'est encore debout. Ils veulent pas le mettre à terre, mais. Non, ouais. Hein. Ils veulent vraiment Ils veulent pas. Mais hein. ben, je comprends. C'est dur. C'est dur. Parce que c'est. Quand un objet. Ben Surtout. Toi que tu l'as vécu parce que tu es un gars de char. Parce que quand tu commences à donner. Des émotions à ton char ou à ton. Ça devient. C'est plus un char, ça devient une personne. Ouais, ben. Ça devient ça ça de... important. Là, ouais. là ouais. c'est plus juste. Et puis moi, on va ça à scrap, ouais. on le vendre des, des morceaux, on va mais faire mais surtout des morceaux Mais des bâtisses, comme... des terrains même qui ont à disparaître. T'sais, nous autres, l'autodrome Saint-Eustache, entre autres, on a fait la pluie le beau temps là, man. Puis ça, ça a fermé euh, fait déjà 3-4 ans facile. T'sais, ça, ça nous manque, puis on, on y pense. Tantôt, je passais à côté du, euh, du, euh, du vieux forum ouais. sur Atwater, puis tu sais. Je m'en allais pas là par la toute, mais je me suis à la tête, puis je l'ai regardé, le vieux forum, là. Ah, il est encore là, il tient encore, puis c'est là que ça s'est passé, dans ma tête, hein, C'est ça qui se passe. C'est comme ça qu'on est. C'est de même que je vis. J'te, j'te un... Autant que je te matérialiste dans le temps, que je garde de tout, autant qu'à ce je veux rien. Je veux plus rien. Mais que mes souvenirs, par exemple, sont importants, t'sais. Mm. Je, euh, sans dire que je vis dans le passé, j'ai encore une conscience de la chance que j'ai eue. Puis je me rappelle encore, tu sais, j'étais allé à Musique Plus tantôt, elle m'a demandé des ici, puis j'ai eu la chance de rentrer où ce qu'on était, sur le coin Bleury 54, les studios sont accessibles, c'est le même plancher, c'est le même coin, tu sais. J'étais comme, man, c'est pas ben malade, tu Mais c'est tu sais, le gars qui passe, il va chercher un Kodak, puis il un non, de Musique Plus, là, tu sais, c'est... C'est autre chose, mais tu sais, c'est une époque, c'est une époque. Mais c'est comme tu dis... T'as pas besoin de dire que tu vis dans le passé. Voici la, 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 la chance où, où ça a été comme ça quand tu t'as grandi. C'est que tous ces moments-là, toi, ont été enregistrés. Comprends tu comprends ce que je veux dire? Fait que t'as grandi en... Tu pourrais t'en revoir, là. Tu pourrais t'en voir, grandir. Ben ben, je sais que tu as bien du stock dans, la, dans ta caverne d'Ali Bebu. Ah, j'ai Non, mais tu comprends, de toutes ces années-là, puis tout du footage hors... De avant ben, parce pendant, que moi, après, je filmais fait, tout. Ben... Je filmais tout avec ma mini-DV parce qu'il n'y a pas de budget à musique plus. Mm -hmm. Fait qu'ils m'ont mis moi, chroniqueur au début. Mais je filmais déjà tout. Fait que l'époque de Cool FM, mettons, 2000. Mettons, 99 à 2008. Je dois avoir 400 mini DV chez nous. Que j'ai jamais regardé. Que j'ai regardé une fois de temps en temps voir de quoi ça l'air Puis Chris, on dirait que je filme avec un téléphone. Yeah. Avant que ça ben, soit inventé ben, en 2001. Ben, C'est pour ça que la, ça, ça a bien vieilli puis Il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Parce que tu sais, veux pas. À mon avis, il doit y avoir le du monde là-dedans qui sont morts. Parce que c'est de même la vie. Tu sais. yeah. À chaque année, je fais le ménage à mon téléphone, puis Chris, je dois enlever 12-15 numéros mm. de monde décédé dans la nuit. C'est fucking à crif Mais euh, non, il y a bien du stock là-dedans qui pourrait peut-être éventuellement faire un, un documentaire le fun. Mais c'est juste de trouver une façon de tweaker ça. C'est la génération de Jackass qu'on a trouvée, ben c'est vraiment notre génération nous autres. Tu sais. C'était ça. Mais. Pour revenir à ce que je te disais tantôt. On, on n'était pas conscient de, de qui on était ou de qu'est-ce qu'on faisait, puis que le monde allait nous crier encore euh, 20 ans plus tard, big, 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 big winner, comme le tu sais, monde de, de ski, puis de se faire parler d'affaires que même nous autres, on se souvient pas. Tu sais. La musique, c'était gros en crise. C'était gros, man. C'était Facebook, Instagram, YouTube, tout ça. en même temps. C'était vraiment une bombe générationnelle. C'est ça. Pour oh. ces générations là ça a fait Pis tu sais, moi ça, ça a été tough, là, Musique Plus. Là. Moi je suis pas rentré en musique plus, euh, présentation des vidéos puis euh, Nabi, Alex, euh, tu sais, toute la. Moi je t'arrivais arrivé comme anti-chroniqueur dans plus sur commande. Fait que quand il arrivait les portes ouvertes, là, le monde au début c'est comme c'est qui lui, tu sais? fait que ça, c'était dur lego un peu, mais je me disais comme attends t'as minute, là, pas fini, moi, là, le Chris, là, je te jure, là. Pis à un moment donné, euh, j'ai dit, ouais, ça, comment ça marche là, si Ben, ça prend de l'argent. Ah, ok, ça prend de l'argent, ça prend de l'argent. J'étais habile avec Excel, j'étais habile avec des euh, euh, logiciels de, de dessin. Ben, moi, j'ai fait du lettrage quand j'étais jeune. Ah. À partir de 13 ans, je faisais du lettrage par ordinateur, puis ça commençait. Par ordinateur. Par ordinateur. Sans, sans ordinateur. C'est comme un clavier directement sur le, le, la découpeuse. Non, non, c'était quelque chose. Là. Ça fait longtemps. Là. Non, c'est correct. Fait que de même, moi, je suis bien cartésien. j'étais un peu TDA, un peu pas mal. Peut-être un peu autiste aussi, j'aimerais bien le savoir. Mais tu sais, je suis bien... Euh, tout est drette, Tu sais, tout est placé. Ici, le code est pas doux. Tu je suis pas bien dedans. Fait que j'avais appris des logiciels. Fait que la musique plus, je dis, bah, comment ça marche? Ben, ça prend euh, 35 000 pour faire. Euh, 35 000, on fait un, un show avec ça, Mais ben toi, il fallait que tu génères ça. Ben, non, mais oui. <laughs> C'est de même ça a commencé. Je allé voir les ventes. J'ai dit, combien ça, ça coûte de faire un show? OK. Parce que je savais que par le produit, j'allais pas les accrocher. Okay. Ça coûte 35 000 à peu près qu'on a besoin. j'ai dit OK. J'ai dit, je vais faire un. Pour faire comme une saison, le genre ouais, de, de... Babu à bord. Septembre à. Babu à, à décembre. Ou non, moins... Moi, c'était de juin à septembre pour Babu à bord. Okay. C'était des festivals qu'on faisait. Okay. Fait que là, j'étais allé voir les ventes, j'ai dit, OK, on va faire un proposal. Fait que j'ai monté un proposal. Un... Le, le babu fait le tour des festivals de Québec, du Québec, dans le but de changer un peu musique plus du coin Blurry 54. C'était ça mon rôle. Que je m'étais donné. OK. Fait que je vais voir les ventes. Toi, tu t'es donné. Oui, que moi, pas je... eux, non, là. non, non. non. Fait que là, je vais voir les ventes. Je dis, tiens, voici mon proposal. C'est ça le show. C'est ça que j'aimerais faire. OK. Fait que là, les ventes sont virées de bord avant même que les programmes disent go. Puis là, ils ont eu Burger King, Dark Dog, une boisson énergisante jaune. Je sais pas si ça a ça. C'était bizarre en Chris. <laughs> Puis il y a un autre, je pense que c'était Roger. Fait que là, les ventes, sont... Ils ont dit, on a trouvé de l'argent pour ton projet. Fait que là, je j'étais allé, les... allé voir les programmes, j'ai dit, gardez je dis, les ventes, par en arrière, on a travaillé, on a du cash. Wow! On serait capable de livrer. Fait qu'elle a dit, ouais mais c'est quoi le concept? Ouais, on fait le tour festival, il y, a, y a motorisé, on voit des... du monde okay, chaud. Puis... Ben, go! Fais-le! Joindre Menard Pour vrai, c'est-tu? Fait que là, faire saison, pas de publicité mais ben. ben c'était ouais, facile parce que écoute, on, on, on amenait musique plus en région tu peux pas pas marcher c'est impossible ça aurait n'importe qui probablement qu'il y aurait eu un succès pareil tu suis pas d'accord mais continue ton histoire fait que là on fait <laughs> nos 13 épisodes <laughs> puis le premier c'était genre euh, l'omelette géante de Gramby puis Woodstock en Bosse puis tout puis l'année d'après euh, vu que ça a marché de même mais là pas de gros y arrivait ouais fait que là ils ont décidé de faire la publicité j'étais de la tête une des têtes principales avec Pat tu T'avais Louis-Joseu qui était là, de l'horaclipse, je pense. puis il crampe en masse. Fait que okay. ben, je ramorce sur le TV Hebdo, dans, dans le... partout. Mais partout. Tout en même temps. Puis là, ça déboule. Puis là, oh, ça serait le fun de faire une édition pour l'hiver. Bon, mais... On appelle ça comment? Je sais pas. Trouve ça. Fait que, là, okay. fait que, là, on met quoi là-dedans? Je sais pas. -il. Fait que là, mon je il commence à taponner un peu. Fait que là, on commence à regarder des jackasses. Puis là, c'est là que j'ai vu les gars de avec un escabeau sur des skis, je vais être comme « Chris, OK, on invite le monde à faire ça, puis ça va marcher. » Et là, je vais voir Joanne encore. Je dis « On va faire Babu à la planche, puis on fait le tour de des centres de ski. » Fait que là, on a, ils ont monté une tournée de ski. Déjà, c'était à la mode dans ce temps-là. Ouais. Toutes les radios avaient des tournées de ski. Exact. Fait qu'on avait collé ça à ça, mais le monde, il venait surtout pour la descente pas d'allure. Mm. Fait que le premier show, on, encore là, c'est pas trop ce qu'on s'en va. Là, Chris. On a une demi-heure, mais au moins, on a des clips. Fait que si jamais on est mal pris... On met des clips plus longs, puis on se juste, tu sais. Fait que je me rappellerais tout le temps, le premier show, Chris, il mouille, puis il n'y a pas de pluie, il a pas rien, Il a rien à faire, là. Fait qu'on avait emmené trois-ski, on a descendu l'escalier avec ça. Il y a deux gars qui sont venus de la descendre pas d'allure, parce que Chris, il, il mouillait. Il mouillait, puis c'est pas juste ça. Le show <laughs> commençait à une nappe Puis un gros pénis, quel que le gars, c'était fait en carton, tu sais, pour faire du ciment, là. Il avait mis un gros un gland gros au, au bout de ça, pis tout était assis, pis tout ça, c'était ça, le premier. Puis après ça, ben, ça a été euh, 8, puis euh, 20, puis 100, puis 300, puis 400, puis 600 participants par fin de semaine. Là, tu sais, ça, a, ça a déboulé. Puis la force de ce show-là, ce qui était cool, c'est que qu'on enregistrait le samedi, puis c'était diffusé la semaine d'après. Fait que c'était. là, C'était là, là. Ah, ouais. C'était maintenant. Fait qu'on pouvait. Ça n'avait pas le temps de se rire. C'était de la radio à TV, Chris. C'est pas compliqué. C'était ça, Musique Plus. Je connais un gars, moi je le nommerai pas, mais lui a décidé qu'il qu qu travaillait à Régie, OK? puis il a décidé que lui, il était vigé une nuit, fait qu'il s'était épais puis il a crissé ça en honte. Sans avertir! Sans dire par ça! Sans avertir! Wow! Pour avoir l'ego gros de mort! C'est malade, c'est ouais, fou! Ben, fait... J'applaudis! Ben bravo! On t'a ça! On de la merde, Chris! T'es pif en Mais t'sais, ça arrivait à Musique wow. Plus, on réalisait tout. Moi, j'arrivais, c'était des cassettes jaunes. c'est arrivé des fois, là, 15 minutes avant le show, finir le show, amener la cassette, pis personne qui checkait. J'aurais pu mettre mon chat qui se liche à le rond <laughs> en une demi-heure, c'était ça! Aujourd'hui, c'est pas de même, la télévision, les diffuseurs regardent, ils retouchent, ils place, puis là, les droits... Ça a juste changé de place, ça, c'est ça. Un... Exact. Exactement. Tu sais, là, ça a juste cool. comme fait un... Parce que t'as besoin de... Ah, ben, t'as besoin des deux. C'est correct, là, d'avoir l'encadrement le, 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 tout ça, mais t'as besoin aussi d'un petit peu, un petit ben, far west. Peau, là, un petit vrai. far west qui ouais. fait comme... Ouais. Pour fait que tu puisses te fourrer, puis que c'est pas la fin du monde. Puis faire, ah, OK, ça va pas marcher. Ben, on se revient, on s'en va là, là, tu sais. mais bizarre, mais pendant ouais. tout ça, là, t'as-tu... Est-ce qu'ils se sont occupés de toi financièrement un peu ou ça a juste resté pareil puis Qu'est-ce que ça musique payent... plus Ouais, musique plus. Oh, on gagnait pas beaucoup d'argent. Non, parce que j'ai l'impression que non. Mais, mais... j'avais tout le temps radio en même temps. OK. Puis à l'époque j'avais un agent. Ben, ça me faisait un petit puis peu penser pas, au syndrome Baywatch musique oh, plus. Ah ouais, on dans être le sens là. Ben, temps, tu veux être là, tu veux être vu partout mais on ne on te paye pas là, non, ça non, là non, minimum, non, 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 écoute, on t'aime même pas nous autres <laughs> on n'était même pas UDA. On était seul à ne pas étudier. UDA. Ah, je même pas. Il n'était pas Oui, mais t'es pas. Il fallait-tu être UDA? Ben, ben tout le monde animata... était sous nous autres. OK. Pff. Fait que c'était d'autres choses, tu sais. Mais ouais, il y a tout un, y il avait, y avait deux, mais c'était pas avec musique plus qu'on s'est mis riche. Il n'y a pas personne, je pense, qui s'est mis riche avec. avec ben, ou juste plus. Es comme, être, es comme reconnu, là, bon, qui de d'année en année. Mais j'ai arrêté gratis. Okay, wow, là. Okay. Dans le temps, j'ai arrêté gratis. C'est facile de faire de la télé, mais d'être payé pour faire de la télé, c'est d'autres choses. Ouais. tu y a euh, tu veux faire de la télé, <laughs> tu achètes un show puis tu. tu... Pour vrai. Oui. Mais ça te manque-tu? Tu ben, sais que tu en as refaites les dernières années? J'aime, Ça me manque pas, mais je trouve que ça demande beaucoup de temps. Puis du temps, j'en ai vraiment pas beaucoup là, présentement. Puis tu sais, il y a eu un bout où ça a été plus tranquille pour moi, j'aurais accepté n'importe quoi. Yeah. Ça, c'est quelles années? Euh, c'est avant part de rien il y a à peu près trois ans mais de, de la fin de musique plus quand j'ai fini avec musique plus ça s'est fini drastiquement les autres là, ils ont décidé que j'avais même pas pu aller chercher mes affaires à mon bureau t'es sérieux juste non non je on me était trois, on était à toi, mais tout comme tout le monde ça a été mort ma journée ils ont coupé puis OK puis okay, c'était comme bye merci ne pouvait okay. même pas aller à notre bureau OK puis je me rappellerai tout le temps j'avais tellement insulté le taf des des, des des ressources humaines même que à peu près trois quatre ans plus tard je suis retourné je suis allé m'excuser après. Ah oui, es... C'est pas ta faute à toi. Elle dit non, je comprends ça, c'est ma job. <laughs> mais je te dirais, après Musique Plus, il ben, y a eu RDS, il y a eu TVA Sport, ouais, il y a ouais. eu... Euh, je faisais le motocross, je faisais Moto X, yep. j'ai fait Driftmania, quand TVA Sport a ouvert. Il y a tout le temps eu même, des petites affaires, mais pas aussi gros que Musique Plus. Puis je l'ai tout le temps eu de travers, parce que, tu sais, c'est rare, moi, que... Comment je pourrais dire ça? Je veux tout le temps finir ce que j'ai commencé, là. Pis là, ben, j'avais l'impression de ne pas l'avoir fini. Fait que ça avait tout le temps été de même. Puis, tu veux pas? Ben, c'est dur, notre job, quand t'aimes ça. Tu vois tous tes chums être passés dans la face à la télévision. Pis tu tu dis, Chris, pourquoi moi, je suis pas là? La dernière année, moi, il faut dire, j'étais dans les journaux. J'étais dans les revues. J'étais à C'est quoi? Non, j'étais, à ça, à C'est quoi? J'étais à Énergie. J'étais à Musique Plus. J'ai animé l'autre gala de la disque. J'ai fait, fait la fait disque avec, là -là. Avec, avec, avec. Ben oui, oui, non, j'étais partout, man! Puis quand j'ai perdu Musique Plus, après ça, ça les j'ai tout perdu. T'es partout ou t'es en nulle part? C'est ça, c'est ça ce qui se passe, tu sais. Je parlais de saveur du mot tantôt. Mm -hmm. Fait que je te dirais que, mettons, de 2010 à 2021, je l'ai tout en temps eu de travers. Puis quand je suis arrivé avec, euh, avec l'idée de faire un show avec Attraction, puis Richard, puis la gang. Puis que ça a été accepté, puis qu'on l'a fait, j'étais content, puis j'ai pu eu le sentiment de bon, mais ben là, je dois à tout prix faire de la télévision. Mmh. Je l'ai fait. Fait que oui, je veux en refaire. J'aimerais ça même, comme je te disais tantôt, peut-être jouer un rôle, un petit, un petit rôle, j'ai bien aimé ça. Mais c'est moins une priorité pour moi à cette heure de, de tout faire pour passer à la télévision, tu sais. Parce qu'on a eu un beau tour là, pour vrai, qui parle de rien. Ils ont, ils ont passé ça partout, puis c'était billboard, puis c'était encore des billboards à la radio, c'est ainsi. Mais je suis moins porté là-dessus. Là. J'ai d'autres à côté, puis j'ai d'autres affaires qui font en sorte que j'ai plus de temps, Ça t'a peut-être permis aussi de finir ça. Comme ah non, c'est comme, comme toi Comment tu voulais... je pourrais dire ça. Tu as pu faire OK, mais c'est moi qui ai fini le. Exactement. J'ai fait mon show, C'est dit okay, ça. Alright. Ouais. C'était pas juste faire dire rentre pas demain. Tu fais quoi Rentre pas demain. Rentre pas demain. C'est fini. Fait qu'après ça, euh, pour après Musique Plus, il y a un petit bout de plus, euh, plus tough. Ecoute, je me suis ramassé juste sur Sirius XM euh, mm. au 172 énergie 2 euh, Ça, c'est Sirius quoi, en 2000 C'est avant XM. Ouais, C'était Sirius. C'était quand seul. Qu il était qu il y a, a ça, personne, personne, que écoute, XM y a avant qu'il merge. Il n'y avait, avait pas grand monde. Personne. Parce que ça veut dire que Sirius Stern étais tu déjà sur Sirius? Stern était là. Et... Parce que c'est Écoute, moi je l'avais pris juste à cause de lui. Fait que ça m'a fait découvrir ça. Puis de payer pour la radio, tu Puis de, de. Parce que vraiment, je te crois j'ai euh... encore les pamphlets chez nous, les pamphlets bleus, là, Il ouais. y avait au, euh, au Future Shop, puis euh, c'était où, non, qui vendait ça, hein? C'était l'autre, l'autre, le pareil, pareil. Pareil comme le Future Shop qui existe encore, là. Ben, pour radio Best, Shop, Best Buy. Best Buy, c'est vrai. Best Buy. Mais Chris, aller. ma face était plus grosse qu'Award Stern, oh, ses <laughs> pamphlets, tu sais. C'était comme Chris. Un gars, il gagne 100 millions par année, le gars, là. Young, 100 fucking millions par année. Son dernier contrat, 555 millions ouais. pour, pour 5 hein? ans. Ouais. 111 millions. Bien, fait que là, je me sens moins là. Tu peux pas l'aimer, tu peux pas là, peux pas, là ben Mais il a, a changé l'histoire de la radio. Ben, Normal. Hein. Et de, après ça, s'en aller avec le satellite. Moi, des gens il de a même. Il comme un, tu sais, là... Moi, tout ce monde-là, c'est du monde que j'aime d'amour. Parce que Chris, c'est authentique comme personne, tu sais. Où j'ai eu la chance de côtoyer Jeff Fidion, man. J'ai commencé ben toi, avec été à. il a important pour toi. Jeff, il était très important, c'est le premier qui me donnait une chance à la radio commerciale. Quand j'ai commencé à la radio communautaire, 95 à 99... C'est rentré là, là comment, toi, par exemple? On a fait, dès l'âge de 6-7 ans, moi, je, je tapais des intros avec mon tournoi. Avec... disque ok. c'est-tu ton père qui te Non. Mon père, vraiment... ben, moi, je restais dans un village de 400 de population, pas le CAB. Ouais. Puis comme je te dis, je pense, j'ai un petit côté autiste puis un petit côté. Euh... Sans dire renfermé, mais je suis dans ma bulle en Estie. Ouais. Puis je souvent dans mon sol à jouer au hockey avec mon cousin. Ou ben donc, on écoutait dans 50. Ou ben donc, on, on faisait semblant sur de la radio à 6-7 ans déjà. Okay. Fait que c'est drôle parce que ces temps-ci, j'ai la mais chance. ça jouait-tu dans la maison, la radio Ou c'est juste, tu Alors, sais, ben tu sais ah moi, je m'amusais moi, ou... moi à taper des intros puis à faire des affaires. Fait que okay. là, à un moment donné, à l'âge de 14-15 ans, il y avait un radio communautaire. Fait que là, j'ai dit à Bruno, qui est mon cousin, avec qui j'ai commencé à faire la radio, euh, on a tout le temps été ensemble. C'est probablement la personne avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Okay. Parce que de, 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 de bébé naissant à 19 ans, on était tout temps ensemble. Mm. Fait que c'est une personne qui est christement importante pour moi. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé euh, le documentaire sur Bob Sonnett. OK. Après, là, je OK, okay si ouais, 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 ouais. Fait que euh, on est allé porter un démo. Puis Chris, le gars, il dit oui. Fait que là, ils nous ont donné le décompte. Fait que là, c'était le samedi matin, 11h, on allait là. Parce on a souviens-tu un... de ta première fois? Ah, oh, Chris, oui. Go. Ah, oh, ouais, je Eh bien, des... <laughs> Écoute, c'était <laughs> Parce médiocre. que toi, t'as les, les jours qui s'en viennent. On faisait les les concours, des concours, mais il y avait juste ma soeur qui arrive. Arrive, <laughs> hey, Écoute, je me rappelle de... <laughs> tu sais, tu sais que tu vas rentrer en ondes, puis... <laughs> <laughs> C'est tellement nice. Mais Écoute, à 15 ans, là... Ben, fait là. que moi, tous mes tests, là, à radio, là... Fait, de 15 à 20 ans, il y a rien que j'ai pas fait, là... À faire des concours ma sœur appelait parce qu'il y a personne d'autre <laughs> puis faire semblant qu'on est en hélicoptère puis tu sais faire tout de patente mais ben ça c'est tout du stern pareil ça ben ben là, oui, là. Ben oui ben oui on écoutait mais tu sais là, écoutait, là. Ben oui. mais t'sais, euh, faut <laughs> dire qu'à bon, cette ben. époque-là il n'y avait pas un ordinateur dans dans, dans station C'était des quoi, tables ça, les tournantes les... puis des cartouches les... puis tout là, fait qu'on a appris on... j'ai eu la chance moi de vivre les derniers vrais moments de feeling radio manuel même à Montréal, ici, nous, 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 on était obligé de jouer avec des disques encore. Du côté de C'est quoi Puis de Cool FM, c'était ça. L'énergie, c'était moins pire. Je pense qu'il était déjà rendu euh, tout euh, numérique. Il avait déjà revampé. Oui. Ouais. Okay. Mais euh, tu Ça veut dire, dire que... ton cousin, là. Right? Hein? Communautaire, une autre terre, tu ça a tout a été ouais. fait. Cinq là, ans. Ça, ça fait... prête. Après... Ça, ça veut dire que c'est. Ça... 95, à... 95 à 99. Ben, parce ça, que ça veut là... dire que le poste, si vous. Il était content. Parce ben qu'ils oui. ont gardés. Ben C'était comme. Écoute, je manquais de l'école pour aller faire du lettrage. <laughs> ou ben donc, écoute, il y a une année, en secondaire 5, je pense que j'ai manqué 110 périodes. Là. Ils m'ont fait rentrer, moi, le. matin. Ton père disait Mon es père a mon il est mis tout. Mon père <laughs> gros, Il s'amuse. Moi, 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 je suis claustrophobe comme personne. Il n'y avait pas une fenêtre dans le poly. Hmm. Je filais pas bien. J'étais pas bien à okay. Mais j'ai eu mon secondaire 5. Ouais, je l'ai ouais. passé. Je l'aurais pas passé, mais je... Comment dire? Secondaire 5, français, moi je comptais sur mon oral. C'est Michel qui est décédé maintenant. Le prof, il ne pas tant sur moi parce que j'étais genre, ouais, tout le temps. Ouais, ouais. Fait que là, euh, <laughs> euh, je me rappelle tout le temps, ils me font venir, l'école est finie. Tu vois, là tu passes pas, mais on va te faire passer. C'est la dernière année, Michel, puis il veut pas te voir. Fait que la date, <laughs> il m'avait donné, donné une marde. Il m'avait ah. donné une note de marde pour euh, mes exposés. Puis pourtant, Chris, j'étais bon, là. Ouais. C'est juste à j'avais rire le monde. Fait qu'ils ont tweaked ça. Okay. Il a rajouté ta note. Je me rappellerai tout le temps, il y avait des lunettes avec des <laughs> cordes. Puis il m'a regardé. Il dit Ton arrogance, ton arrogance a payé. cest <laughs> -ce que j'étais comme Oh, ben, Chris, ça marche de même. <laughs> fait que là, après ça, je me suis ramassé... Euh... Quand, quand j'ai rencontré Jeff, j'étais dans le temps des géo, c'était même pas populaire des ouais. les équipes, équipes promos. Ouais, ah puis oui, dans les promos radio, c'est vrai. Elle a partout, tu sais, il y avait des guerres, tu avais énergie contre c'est quoi, tu avais joie contre gars, des, oui, des, des, fou, là. Des, des des radios, c'était c'était mobiles mobiles avant des bars, le monde sortait. Fait que c'était des mobiles, des flyers, puis là deux clans, puis ça hey, écoute, c'est des histoires là. Fait que je me suis ramassé à Radio X. Mais comment de communautaires... Tu quelqu'un qui t'a écouté à la radio communautaire? Ça peut pas J'ai donné mon nom pour travailler là, comme Géo. Ouais. Puis il y avait une émission qui s'appelait 6 à 6 extrême, yes. qui était diffusée dans les bars une fois par semaine le vendredi soir. Okay. Puis à chaque émission, il prenait quelqu'un, l'animateur d'un soir. Ça le même thème que la star d'un soir. Yo, là, ouais, tu es la star d'un soir. Yes. Fait que là, il a personne. Il y a juste les Géos. Fait que là, je dis, ben il euh, faut quelqu'un. Que, toi, OK. Fait que là, je là, man, j'ai pété le show, man. J'ai pris le contrôle total, sti. j'ai saisi ma chance. Ouais. Je me rappelle tout le temps, j'ai appelé mon père chez nous, j'ai dit là, là, je mets une cassette dans le trou, là. Passe le record, tu vas m'entendre. mon père était comme Non, 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 c'est pas vrai. Oh, pa ouais. je te jure que je t'en honte dans pas J'ai encore la cassette. T'es-tu sérieux? Et que là, je pars, que tu mis Roger Brulotte. Je le savais ah, que j'avais une chance. Ah, OK. J'avais ma chance. Mais c'est le fun. Et que ça, là, que le tu le sais. lendemain matin, Jeff Fillion m'appelle, C'est le directeur des programmes. OK. Il dit euh, Salut, c'est Jeff. Queré, oui. c'est Ouais. Je t'ai entendu hier, euh, ça te tente-tu de faire les nuits? J'ai pas d'argent, mais euh, tu pourrais faire euh, le show, la caisse de Douze. » C'était les douze chansons et puis demander de la journée. Ben, ouais, c'est ça. J'ai dit, ben oui, pas de problème. Fait qu'à tous les jours, je me levais si j'allais faire le show. J'étais à Saint-Nazaire, je faisais une heure de route pour aller faire quelle de quelle minuit à, à une heure. Okay. Puis c'est le même, ça a commencé. Puis. Jeff, c'était le premier, il me rappellerait tout le temps. Là, à un moment donné, j'ai eu le nom de Babu. C'est une fille qui m'a de même, ça reste Je sais même pas pourquoi. Pis le premier reportage que je fais, j'étais au euh, Mont-Saint-Anne pour une histoire de vélo montagne Puis je finis ça par un beau Danny Bernier à Choua, Radio X ». Le Jeff m'appelle et dit, euh, Danny Bernier, il est mort. Là. Euh, non, il est Babu, regarde bon, ça. OK, mais là, on a gardé ça. Puis là, je suis devenu producteur de son show le matin. Puis il m'envoyait faire des stunts, t -t Il, il m'envoyait faire tout ce que le monde ne voulait pas faire. Puis tu avais j'avais 199 ans. Okay. Fait que j'avais à peu 20 ans. Ça. Puis que là, tu avais écoute, qu'est-ce qu'on avait fait? Je m'étais fait une babu mobile, qu'on avait fait sauter, t -t dans, dans Tout le monde, il venait pour varger dessus, puis faire sauter le moteur. Il m'avait fait voler des gants à live. Ça, ça a fait aujourd'hui beaucoup. Ah. Parce que Lorraine Pageux avait volé, ah. des, volé gants. des gants. Voler des gants! Fait que là, moi, il fallait qu'on montre que. Je pouvais me faire arrêter. Il fallait, fallait que je vole des gants que je me fasse, fasse arrêter. Que tu fasses pour dire que c'était pas bonne grandeur. Fait que c'est pour ça. Well, oh my God. Fait que je m'étais fait arrêter. La police est arrivée et tout. Ça avait fait jaser pas mal. Ma mère écoutait ça elle <laughs> Puis euh, après ça, ça a passé une couple d'années de même. Le 6 à 6 extrême, les deux, ils sont partis. c'est. Je te dirais peut-être deux mois plus tard. C'était moi l'animateur. Du show où j'avais wow. été. Fait que tu comme je t'ai dit, les cinq premières. 4-5 premières années de radio communautaire, ils m'ont servi en crise parce que j'étais arrivé yeah. là, man, puis j'étais pas nerveux. Il y avait zéro nervosité. C'était comme. T'étais à ta place. C'est ça, j'étais à ma place. Puis après ça, ben euh, T'es arrivé cool FM. Je me rappellerai tout le temps. J'étais allé voir Jeff puis J'avais des frictions un peu avec les autres parce qu'ils me voyaient aller puis ils voyaient que j'avais de la drive. Puis tu sais comment ça, fait de la jalousie ouais. des radios, il y en a souvent. Puis euh, j'ai dit à Jeff, je m'en vais à Montréal, euh, Cool FMO. Ça marchera pas. <laughs> ça marchera pas. Fait que là, je pars à Montréal, puis Cool est arrivé, puis là, écoute, on a pris le contrôle total de la ville. C'était le fun, Anastie, ça. Combien de temps ça a duré, ça, Cool? Cool, ça a duré peut-être de 2000 à deux 2003, 2, 2, 3 dans ce coin-là. Écoute, on se rappelle, c'est quand même du monde là-dedans qu'on travaillait là. Ça fait Mélanie Menor le matin, t'avais Guilde d'Or. Jean-Claude Gélinot était là, les Char mecs comiques, il y avait Richard Z. Ben du monde, même ben il, il, avait, il avait été chercher du monde. Ben oui, il, il avait monde, certain, été chercher du monde, certains. Mais là, ils savaient, eux autres, déjà que c'était une transition qu'il y avait à faire d'enlever de, de, ses KC sur l'OM et de ramener ça. Ils le savaient, là, okay. Mais ils ne nous le disaient pas. Oh, Puis, eux autres, ils capotaient un peu parce qu'on arrivait à avoir du succès avec rien. Parce que, Chris, on avait zéro promo, on n'avait rien. Puis, ça allait ben c'était le fun. Puis, finalement, ça, ça a changé. Mais, Chris, que ça a bossé, ce bout de t'avais le, le, le 211 Gordon à Verdun, c'est sûrement déjà j'allais là. C'était ben, l'adresse que, on dirait que Follette t'aller. C'était là. Peu importe le poste. Écoute, peu importe le quoi, poste. On dirait que c'est toi. Non, non, mais 211 à 211 Gordon, Gordon à Verdun. là <laughs> Nous autres, on était dans les anciens locaux de CKVL. OK au 213 dans le même building 211 c'était c'est quoi t'avais le studio théâtre qui était là t'avais mmh. Q92 à l'époque t'avais Info 690 tout se passait là c'est ben compliqué oui. c'est là moi j'ai réussi c'est là ah, que c'est ben, Papineau. Pis, mais après ouais. ouais. à Verdun tu sais moi je me suis, moi c'est là que j'ai je me suis fait un réseau de contacts de fou parce que mmh. j'étais tout le temps à cette station j'ai déménagé à côté Chris. Fait que j'étais tout le temps j'étais plus à la station que chez nous là je travaillais, je travaillais, je travaillais, mais là, je croisais Michel Borrette, puis je croyais Patrice Lécuyer, puis toute la gang, ici. Puis là, je me suis lié d'amitié avec eux autres, puis tranquillement, après Puis c'est de même que ça s'est passé, je te dirais. Puis là, il y a eu mon accident de moto. Fait que ça, ça a donné. Ça a donné. C'est bizarre à dire, mais ça, ça a fait une, une promo de euh, fou. Puis ça ça a chiqué, c'est quoi? J'étais à l'énergie, puis là, on a starté Monsieur Bonheur. Ça, ça avait été une crise de hit aussi. C'était le soir. Le monde, il, le monde est il pouvait faire appeler. L'accident, tu show avec. Oui, on a fait un show. C'est l'année l'année passée, je ne sais pas trop, mais c'est ah. récent. c'était euh, le en 2005. J'ai fouillé la mort. mort c'est hein. ça. Hein? C'est ouais. en 2005, le euh, 6 juillet 2005 okay. j'ai eu l'accident. Puis combien de temps entre l'accident et ton retour? Le temps de rentrer chez nous. T'es-tu sérieux? Oui, ils m'ont installé un micro dans mon studio. Hey, J'étais sur dilodide, je fumais <laughs> du pot au travers. J'avais marie Mag à côté de moi, je jouais de la flûte à bec, oui <laughs> J'étais fuck C'était ça, c'est ça, là. C'était ça. Mais ça aussi, t'as des images. Ça, de après l'hôpital puis tout ça, pis. Euh... Ah non, il y a de quoi là-dedans? C'est faux. Faudrait, fait... pas moi, pas non, pas Faudrait pas que je fouille, mais moi j'ai pas le temps. Faudrait que je donne ça dans les mains d'un réel, si que j'ai confiance, pis quand t'amuse toi, t'as du gravy. Ben juste de. C'est de... ouais, juste, des des juste de séparer ah ouais. et de, de faire 4 minutes. On va préserver. Là. Ouais. Mais oui, as Parce raison, j'ai des... tout, tout ça. Puis comme dans, dans, on l'explique bien dans, dans le documentaire, euh, ce qui m'a aidé moi à, à, à me relever vite, c'est que j'ai mis l'échelon vraiment en haut. Mm -hmm. J'ai dit, moi, je veux pas juste recommencer à marcher cette année, je veux recommencer à faire de la course automobile cette année. Fait qu'en me disant ça, ben, je savais très bien que... Ça allait arriver plus si que je recommence à marger que j'ai un mois et demi de tâche dans mon chat de course avec mon, avec mon corset mon tout. <laughs> tout J'ai pas eu grand. Je me suis fait frapper par un char, non, puis mais... j'ai eu, eu 15 000 piastres par la sac. j'ai une, une vertèbre refaite puis des mmh. morceaux. Tu sais. Mais vu que j'ai voulu commencer à travailler vite, ils n'ont jamais voulu dédommager. Mais indemnisé comme faux, c'est fait fait de même. Non, je sais. Mais je m'en calisse, parce que tu... honnêtement, j'aime mieux. Si tu prends temps. main, le gouvernement t'aidera pas. <laughs> c'est ça. Mais c'est vrai. Mais, mais je sais. Je m'en rappellerai tout le temps parce que quand j'ai eu mon accident, il y a quelqu'un qui n'avait eu une similaire à moi qui était dans une chambre proche. Hmm. Puis j'ai rencontré ce gars-là un an plus tard. Puis lui, il a suivi ce qu'ils ont dit de faire. de ne pas recommencer vite. Mais il doit avoir pris à peu près 150 livres. Puis il était rendu accro, hostie, au audilodide. C'est clair. Moi, j'ai, après, je pense, une semaine, là, si j'ai un mal dans le dos, puis ça constipait cette affaire-là, je bouge J'arrête ça, ça si, je fumerai une coupe de joint une fois de temps en temps, la question de ralentir la patente. Fait que c'était ça. Puis là, ben M. Bonnard est arrivé, ça, ça a fait un hit, si, à grande heure, parce qu'on était à réseau. Le monde appelait pour donner des affaires au badon. il cherchait des affaires, ça, c'est yep. fou. Fait que c'était avant, Insta avant Instagram, puis il y avait un marketplace et tout. Fait que ça a eu un certain succès, ça. Puis moment ça aussi, il ça, y a eu une histoire. Il y a une histoire, je me suis fait remplacer parce que la, la personne qui était allée à ma place, c'était le même agent qu'un autre. Fait que si lui y allait, il fallait que lui euh, y aille. Okay. Fait que c'est le même que hey, moi, j'ai perdu edge. mon poste. Ben, okay. ouais. c'est comme ça que j'ai perdu mon poste. Fait que là, ça a été un petit peu plus tranquille, je te dirais. Fait que là, je suis retourné à Québec. On a starté euh, Rock 100.9, qui a eu un ouais. succès. Ça allait super bien jusqu'à temps que Mario Chicani arrive, puis que lui, ben. Ça arrive souvent, il y a des boss qui décident. L'autre, il arrive, puis là, il dit Ah, on ça, tu sais. C'est souvent le... Fait que c'est sûr que c'est pas ça. Ben, ils veulent le remettre à leur image. C'est ça. Fait que notre bébé s'est fait... Euh, s'est fait pas surfer sur le... Le, 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 succès, le de succès De, ton, de, de celui qui était avant toi. prouver mais que... Mais des fois, t'as comme... Ouais, mais un an plus fais, tard... mais... C'est pas ça marche. Un an et demi plus non. tard, ils ont rechangé le son. Ouais. Pis c'est rendu le 80... C'est rendu maintenant du rock et sport qui ressemblait vraiment un peu à ce qu'on faisait. Tu sais. Fait qu'ils sont revenus où ce qu'on était. Mais tu sais ça, on a eu un beau trip aussi. De 2011 à 2016, je te dirais à tous les matins là, avec Babu et Associé qu'on a ramené d'ailleurs à l'origine. ben c'est ça, tu dis que tu fais le ouais. live, ouais. Là, non? Ouais. Puis, euh, Puis écoute. Mais bravo pour ça, fun. parce que Ah, coupé, ça, ça c'est malade, le... là. Ça, euh... je suis comme un poisson dans l'eau, là, écoute, en euh, plus de revenir à Québec, <laughs> si tu... C'est fou. Là. Mais, okay, mais toi, là, comme tu te promènes, là, habites, tu habites du crime. Moi, je reste à, à Sainte-Brigitte. Comme ça, tu peux, comme, tu peux te promener. Moi, je reste à, à Sainte-Brigitte de Laval. <rire> <rire> Moi, je reste à Sainte-Brigitte, qui est okay. dans le okay. nord de Québec. OK. Puis, euh, même avant la pandémie, je faisais beaucoup de télétravail. Moi, tout ce que je faisais à énergie, c'est la première fois que je fais un show à énergie. que là, tu t'envoies des conversations. Je fais tout de chez nous. Je faisais tout de chez nous. OK. Ça, ça l'a aidé pendant la pandémie, parce que je veux pas. ça n'a rien changé. J'étais déjà 7 œufs et tout. Puis euh, quand ils m'ont dit, ça te tente de se faire le midi, puis on ferait un show local à Québec, parce qu'on veut ramener ça plus Québec, j'ai dit, bien, sortez si, combien de temps? Une heure et demie, bon, c'est pas sûr, mais on va commencer par ça. Mais c'est déjà, ça fait quoi, quatre semaines qu'on a commencé, puis on voit déjà que ça va marcher, c est, c est, ça peut pas faire autrement, les, les personnages, ils reviennent, puis c'est le fun à Chris. cest quand ça arrive, ça, là, parce que je connais pas la radio, pas tout Disons, ils sont, ok, hey, Danny, on te veut Lana. cest c'est toi qui choisis ton équipe. T'as-tu du monde qui sont déjà qui viennent euh, avec La slot. Je te dirais que. Là, le... et, et, puis je suis vraiment... Et, Danny, je suis néophyte radio, euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, ça ben de la façon, habituellement, souvent, c'est t'arrives puis ton équipe est déjà montée puis tout. Ok. Mais euh, nous autres, on a fait ça euh, autrement. Écoute, je pense que la fille qui était avec moi, elle l'a su, su le matin elle était avec moi là, okay. parce qu'elle faisait plus de radio euh, en tant que telle, elle était dans un bureau. Puis ça reste vraiment bonne. C'est la fille qui s'occupe de bouquet avec moi en même temps. fait que okay. Ça fait un job. Mais euh, non, le monde a tendance à penser des fois que c'est full arrangé. Puis que c'est full, tu sais, comme. Mais il y a bien de l'impro aussi là-dedans. Là là. Mais tu sais, avec moi, c'est clairement Chris. Tu veux pas, j'ai fait 25 ans, je suis là. Fait que de, de... Non, mais parce que des fois, tu as une équipe, mais disons, je sais pas, moi, ça lève pas avec ton cours. Ah, petit... ben, autres, non, mais tu sais, puis tu. Ça arrive. Ça arrive même pas avec moi, je te dirais. C'est rare. J'aime ça travailler en équipe. Je ne sais pas. Euh... c'est pas arrivé si souvent, même, mais je ne vois pas quand c'est arrivé que quelqu'un parte parce qu'il était pas bon avec nous autres, n'importe quoi. Tu trouves Je trouve plein de moyens de, de, de remonter le monde avec qui je travaille. Qu c'est important, si tu te sens bien. Pis... Tu sais, ce pas une question de talent dans la vie. Je suis pas le gars qui a le plus de talent, puis j'en ai... ai tout le temps été conscient. Mais il faut avoir de la drive, il faut être opportuniste, il faut... faut saisir le moment, faut. Puis il faut être fin, c'est moi je disais tantôt. J'en oui, rien c'est Faut de venir de de avec de ça. De mais c'est vrai! Elle <laughs> a raison! Elle <À> a tellement <laughs> raison, là! <laughs> mais là, honnêtement, je vis des beaux moments, pis c'est tripant, pis je me charge pas. Mm. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime tout ce que je fais. Je donne une crise de belle vibe. C'est le fun, hastie, dans ce temps-là, tu sais. Ben mais, mais que... Je veux pas le dire trop parce qu'on dirait que c'est ouais, dans non, ce temps-là que ça, Christ a un accident arrête, arrête, ou qu'il se passe de quoi parce ça. que oh, il venait juste de dire que arrête, était... arrête, ça, pas... La beauté de ça, c'est que un, tu sais que ça va durer le temps que ça va durer. C'est ça. Puis tu le sais. Fait tu mais je en... prépare. Pro... Mais oui, mais tu peux en profiter. tu T'es capable de faire juste c'est nice. Ouais c'est vraiment ouais. que je vais apprécier ce moment-là parce que ça va donner mais je prépare choses. le futur pareil parce ben, que je veux jamais parce que tu ne sais que ça durera pas même, ça. même si c'est un disons 10 ans puis fait que mais ben, mais il ben, ça va changer quand, quand, euh, Rock 100.9 ça, ça s'est arrêté ils m'ont essayé à Radio X la fin de semaine puis moi euh, ça cliquait pas tant fait que ça a fini là puis fait que là je me retrouvais mais on venait juste d'acheter une maison euh... Ça c'est l'autre côté souvent que ah, non, les gens écoute, savent pas. Non, mais mais, mais c'était dehors d'un Tim Horton à côté d'un handicapé <laughs> qui balayait là. Pas si tu le sais, là. Pis tu sais, partout ce que je t'allue. Je suis juste déçu que tu filmais pas. Non, ah, mais c'est ça, tu sais, mais Chris, moi je l'ai, je m'en rappelle. <laughs> on va faire une reconstruction. Ouais, ah, ça serait le fun qu'on s'en rencontre il faudrait qu'il y ait une reconstruction dramatique, tu sais, là, quand tu vois oh, Ouais. Tu vois, si proche. Je m'en rappelle tout le temps. J'écoute, <laughs> j'en venais de vacances puis Oh, on va se rencontrer au team là. On va monter. J'étais supposé de remplacer Jeff à le midi. C'est ça qu'il m'avait dit. J'arrive là, Ouais non, c'est terminé. Ah ouais, c'est fini, est si. Côté du gars. Si. Je me disais comme Chris, il a pire que moi, tu sais, lui, il, il a humeur, pis... est de bonne humeur. C'est le même je l'ai vu. Ouais. Fait que je me rappellerai tout le temps, je suis parti. suis allé chez nous. Puis j'ai dit bon, mais ben, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ma blonde a travaillé dans ce temps-là euh, pour une compagnie de débosselage, Puis on s'occupait de. Euh, eux autres s'occupaient d'une compagnie de location de, de VR puis de roulotte. Okay. Moi, je pourrais rester en place. Fait que j'ai dit, je vais aller travailler tout le matin, Puis quand même, je suis pas payé, je m'en colisse. Je suis là puis je suis là. besoin de me jouer à de quoi? Puis ça, c'était à Saint-Augustin, Puis eux autres, il y avait une cour à Cap santé qui était à peu près peut-être un 40 km. Mais Chris, tout l'été, j'ai mauvais des roulottes, man. J'ai fait la distance de Vancouver à Québec aller-retour avec des roulottes. Pinot, d'épiné, piné, d'épineux. Puis pendant ce temps-là, j'ai monté à Irock. IROC 247, qui notre là, radio. Pendant, est là, pendant, pendant que je roulais, c'est là que je montais mes affaires. Puis là, je me suis trouvé un diffuseur pour me diffuser sur le FM, parce que moi, je voulais, je voulais à tout prix revenir à la radio sur le FM. Okay. Fait que là, j'ai trouvé une radio communautaire, Radio à Lévis, que à cette heure, je, 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 même, je travaille avec eux autres, puis je les aide à, à développer des talents, puis tout. Puis je disais, ça rentre-tu dans le cour à Radio X? Ouais, c'est beau, man. <laughs> C'était juste ça que je voulais. Fait que là, on a starté IROC. Puis on a joué vraiment pas sur le fait que j'avais plus de job, mais sur le fait qu'il n'y avait plus de rock à la radio. C'est mmh. vrai qu'il n'y avait plus de rock à la radio. Fait que là, on a starté iRock. Rock, puis euh, le mouvement Révolution Rock. Puis écoute, iRock Rock s'est rendu un... probablement la radio internet la plus écoutée au Québec, si c'est pas au Canada. Écoute, j'ai 454 000 écoutes aux deux mois. J'ai à peu près 100 000 auditeurs uniques. Wow! Et c'est juste de la, de la musique. C'est juste de la musique. Wow. Comme là, c'est assis, c'est Alexa qui anime mon show du matin. Ok. <laughs> puis depuis que j'ai fait ça, même, je vais chercher du monde à côté. C'est n'importe quoi. Mais tu sais, puis c'est partout là. C'est Brésil, c'est France. Mais ça, j'avais entendu parler de la côte est du Brésil. Ah, c'est Fourette, fouette. De, salon, ça, ça a de commencé, en salon de tatouage. Ouais, exactement. Ça, hein? ça a commencé dans les salon de tatouage. Ils ont commencé à nous écouter. Mais ça, à cause de non, qui même pas. je ne sais pas qui, à un donné, il y a quelqu'un que, qui nous que, a... écoutait puis c'est le même que ça paye. a commencé à à se prêter fait que là tout 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 tout, tout l'est. Tu <laughs> écoutes, je pourrais te le montrer c'est <laughs> sûr que la fin de semaine il y a un petit peu moins de monde mais non, ben, Moi, dans, grave, mes piques, là, dans mes pics là, dans mes pics il y a du monde en cris. tu vois tous les points en temps réel. Là. Pis pendant ce temps-là, on rempli des cahiers BBM, tu sais, C'est <laughs> ben, encore les cahiers à Québec c'est encore les cahiers. Fait que là, euh, ça, ça a développé. L'Europe a développé. J'ai à peu près euh, 60 de mon crowd qui est au Québec. Pour le reste, c'est mondial. Wow. Mais ça, c'est l'avenir, tu sais. Okay. Ça fait six ans que ça roule. Là. Fait que ça, c'est un crise de hit. Là. Ça, c'est... C'est tu euh... beaucoup de temps investi à rouler? Ça se fait, fait que tu télé... fais fait, je fais tout avec mon seul. OK, OK. Je fais quasiment tout Mais avec es -tu mon seul. Mais es-tu tout seul? Tout... Non. T'as des partners sur chaque affaire? Ouais. Ou. Ben, iRock, je suis pas mal tout seul avec okay. ma blonde. Là. OK. Je te dirais, depuis le début, euh, ben, mes autres affaires, écoute, il euh, écoute, y a ça ici, XPN, entre autres. Mais le... ça, c'est arrivé comment? Ça, euh, pour faire une histoire courte, le premier produit qu'on a produit sorti, c'est le Burnex <laughs> euh, XPN, je me suis lié d'amitié aux autres parce que, comme je te disais tantôt, je représente Raphaël Lassard Fait que là, on voulait avoir une commande Bon, eux mais eux recule. Qu'est-ce qu qui, qu qui a fait en sorte que toi tu représentes Raphaël. Ah ben écoute Raphaël euh, j'écoute tu kid que j'aime depuis longtemps je le suivais puis euh, à un moment donné je me suis mis euh, quand il était aux États-Unis à faire des entrevues avec lui à chaque semaine fait qu'on s'est lié d'amitié c'est que juste de même fait qu'on on, on a appris à se connaître en ondes, parce que c'est là qu'on se parlait le plus ah, OK fait que là euh, mais toi, tu l'avais spoté puis tu voulais ah, parler tu voulais qu'il Mais ben, je voulais Un je... reflet ici Faut non ça. non mais tu sais des fois là, tu fais comme qu'est Ben je disais comme, comme du talent, puis... je voulais là non, mon non tu t'as fait oui, oui. Fait que euh, tranquillement, pas vite, ben, on se parle à tous les jours, puis on se parle à tous les heures, puis on se on parle plus, puis c'est arrivé. Fait que là, lui, dans sa carrière, ça a été plus compliqué, ben, ça coûte crissement cher aux États-Unis. Allons-y, par exemple, des, des, tu t es, t es au courant des vrais ouais. montants, là. Parce que c'est. On, on le sait, mais on le sait pas. Tu sais, tu fais, ah oh, oui, ça coûte cher être un pilote, euh, ben, F1, c'est vraiment plus cher, mais après ça, ben. Euh, ah, c'est fait un coup de cheval ça n'a pas tu sais. rapport. Là, non, tu sais, non, mais, mais, ça mais, encore, mais, euh... mais parle de toi, de, de, de ce ben que Nous autres, écoute, sais, Raphaël, tu sais. roule... Raphaël le sort est probablement le meilleur talent brut de pilote de course automobile des 20 dernières années au Québec. OK. Vous allez dire, il proche par sa paroisse. Oui, mais quand tu regardes ses stats, il non, non, a, a 22 non, ans, puis il euh, a gagné tu as des gars, puis il euh, a roulé. Il y en a des courses, là. Fait que, veux pas, ben, me lie d'amitié avec lui, il arrive ce qui arrive, il est aux États-Unis, puis là, ben, ses parents, puis tout l'entourage, on a besoin de financement, faut trouver des sous, parce que, Chris, ça coûte 125 000$, tu par mois, là. Par mois. Pour rouler en troc, là. Ça, c'est pas en cop, là. En cop, tu fais fois 3 Wow. Fait que, dis-toi que ça coûte à peu près 100 000$ par fin de semaine. OK. C'est ça, la réalité. Fait que, euh, compliqué... Écoute, je pourrais écrire un film juste avec cet épisode-là, un hey, livre... Il y a tellement d'affaires. Mais c'est passionnant, par exemple. C'est pour ça qu'on le fait. Fait que là, il est arrivé l'histoire qu'il ben, a fallu qu'il sorte parce que le financement, on ne l'a pas trouvé. Fait que là, tranquillement, pas vite, ben, il, a, il a recommencé à rouler plus vers au Canada, euh, en Pentees, entre autres. Fait que là, ben, il y a des gens qui se sont retirés. Ça s'est compliqué. Fait que là, moi, par la bande, ben, Chris, vu que c'était mon ami, j'ai dit, moi t'aider. Avec la famille, puis avec tout. Ben, c'est tout géré. Fait que euh, XPN est arrivé parce que c'était un des, des commanditaires. Puis XPN, Dan Bérubé qui est le fondateur, c'est un gars qui tripe bien gros sur, euh, sur la course. Euh, Lui-même étant pilote, euh, il y a à peu près tous les modèles dans son garage de char. C'est un tripeux. Fait que euh, j'étais allé voir Dan avec Raph, je lui ce serait le fun d'embarquer. Fait que là, il dit « Ouais, mais retour sur investissement, il faudrait trouver une façon de... » Fait que j'ai dit « vous autres, vendez des... » La, la nutrition pour les athlètes. Le Burnix existait déjà, mais en. Mais ils ont leur supplément. Bouteilles. Ils ont déjà ils ont quand même. Ta... Il y a une coupe de centre aussi. Ah, C'est gros, là. C'est une yeah, yeah, yeah. compagnie établie depuis 20 ans, puis ça roule bien. Fait que là, euh, j'ai dit à Dan, je dis pourquoi on, on, on vire pas ton, ton truc euh, plus en canette puis en, en bouteille? Puis on pourrait peut-être vendre ça dépanneur, Puis un, un certain pourcentage va servir aux courses à la fête. Fait qu'il dit Ah oh ouais, t'es sûr de ça? » lui « Si moi je suis pas là, ça ça existe pas puis ça ça existe pas d'indépendeur. » Ça c'est sûr, là, Dan le dit tout de suite. Fait qu'on a monté ça de même, c'était un projet qui du duré avant d'arriver où ce qu'on est là, ça a pris un, un an, un an et demi facile. Mais vois-tu, probablement que la partie qui manquait pour rouler la saison complète en hein, Pinté les années prochaines, elle est là. Oh, elle est là. Wow. Première année. Première année. Fait que ça, c'est un projet qui, qui, qui me tient à cœur. Puis, tu sais, je veux pas. Euh, on va faire plus d'argent qu'on a besoin, à mon avis. Fait que déjà là, je vais peut-être un jour être capable d'avoir un petit peu d'argent de ça. Mais, tu sais, j'ai des à côté. Fait que ça fait en sorte que je que, que suis capable de vivre aussi. Mais, tu sais, c'est tellement une belle compagnie. Comme là, on va sortir. On a sorti le, le, le Delta Electrolyte. Un électrolyte qui goûte bon, c'est rare en hein, cri. Fait, fait que là, on a fait un bon. Puis là, on sort des produits pour les animaux. Hein? Ouais, ça va s'appeler Elite. Ça, c'est bon bébé à moi. Euh, pour euh, les animaux qui, qui crivent ils, ils ont toutes le, le tête, mais ils crient son magané des hanches, puis ils sont maganés, bien là, il y a des affaires qui se font pour l'humain. Je me suis dit comme nous faire ça pour les animaux aussi. Fait que là, on est dans un test, puis on a, des, on a des, 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 des. des spécialistes dans le domaine qui nous aident à, à monter. On devrait sortir un 5 produits d'ici Noël. Wow. Mais ça, c'est une autre affaire, là. C'est une autre affaire qui prend du temps. Oui. Là, on a starté, -ce euh... parce que C'est des investissements à long terme. Ah ben oui! C'est du temps c'est du C'est ça. Puis, tu sais, à chaque fois, c'est pas moi qui déplie l'argent parce que Chris, je n'ai pas, là. Tu sais, je suis pas millionnaire, moi, dans la vie. Fait que je peux pas. Mais mes contacts, les gens je connais, euh, la publicité, euh, les, 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 les médias sociaux, quand même bien du monde qui suit. Fait que, moi, je peux apporter ça. Fait qu'on se complète bien. Puis, on s'est vraiment alliés d'amitié d'Anne, puis d'Elle puis de la famille Berubeu au complet. Fait que ça, ça fait en sorte qu'on a sorti des, des beaux produits de genre. Mais, tu sais, c'est. Il y a tellement de place là, pour ça. Il y a, y a tellement de place pour la qualité merde. aussi. C'est ça. Tiens, un bon électrolyte. Il y a, bon y a là, de la moi, place pour tout le monde. Si si la... C'est bien rare que... C'est la beauté aussi de l'affaire. C'est que ça a long run, par exemple, parce qu'il y a des hauts et des bas. Si le talent est là, puis le travail est là, c'est bien rare que... Pis ça a même à voir avec le produit. Le long... produit est bon. La qualité, tu sais, il oui. y a le maximum d'électrolytes que tu peux pas avoir dans une journée. Puis ici, tu as le maximum de caféine que tu peux pas avoir dans une journée. Lui, il est sans sucre, il est rempli de carnitine. La carnitine, elle, elle change la graisse en énergie. Fait que quelqu'un qui prend ça, à la place de prendre un moniteur rempli de sucre, ben il est quasiment assuré de. Peut-être pas par du poids, mais pas loin. Je peux pas Dé dire que je vais par viens, du poids, mais tu vas par du poids. C'est sûr. Avec ça, c'est énorme l'impact. C'est énorme l'impact que, que, que ça a. Fait que c'est la même chose dans, dans, dans l'alimentation que les animaux. Là. Et on va essayer de faire des produits, oui. On veut avec ça eux longtemps. autres ou tu avec les animaux? Même, euh, affaire, même compagnie. Ah ouais, tes tu sérieux? Même compagnie. Wow. Ils sont établis, ils sont déjà dans le blend, ils sont déjà dans la poudre dans mais tant exact, telle. oui. Fait que je vends de la poudre, moi, Chris. Je, je fournis un peu tout le monde dans la colonie artistique ces je peux te le jurer. Tous ceux qui s'entraînent, là, tu me dis je suis le pusher à Mario Tessier Parce que Mario, il, il pousse beaucoup sa boxe. Je, je suis le pusher de oui de, de, de à bien du monde, je te dirais. ouais. Peut-être toi éventuellement. Mais oui, c'est euh, un monde qui apporte tu sais. Moi, ça, ça change de tout ce que j'ai fait dans ma vie là, d'être là-dedans. Là. C'est ça qui est le fun. Là, Puis là, ben, comme ça, on pas assez, on, on a décidé qu'on se montait un club de hockey Seigneur 3 haut. Yeah, man. Comment? Ça vas tu écoute ça c'est une histoire euh... je me, je parce me que tu fou. parles encore des rafales tu parles encore de tu sais là fait que. y, a, y a... ben, regarde, ben non, écoute quand j'étais jeune tantôt je te tu, parlais là, de la ligue Palache, on s'est monté une équipe fait qu'on a appris à monter une équipe à 16 17 ans puis j'avais aimé ça puis c'est pas pire parce que ça moi ça m'amène à aller dans, dans Belle où où ce que je suis venu au monde où ce que j'ai resté pendant 19 ans fait que euh, y'a pas euh, y a à peu près six mois, mais ben saint anselme c'était Crafokéville, les autres, c'était eux autres les représentants oh du Québec. Oui, c'est vrai. Fait que là, quand que ça Kraft. est arrivé, on a perdu, on aurait dû gagner parce que. En tout cas, ça a l'air bizarre un peu, <laughs> même quand tu te reçois le téléphone des gagnants, tu ouais. Vous auriez dû gagner <laughs> C'était un peu bizarre. Mais euh, c'est une belle continuité pour saint anselme okay. Fait que là, euh, Pascal Gontier qui, qui, qui était là-dedans, Guillaume Simon également. M'appelle ça te tu on, on essaie peut-être de faire une demande pour un club de 3A. Je dis, oui, mais Chris, les gars, on n'a jamais eu ça dans la Belle Chasse, un club de Seigneur a Je dis Ouais, mais on pourrait essayer Je dis Ok, on va checker. Regardez ça. Fait que là, ils ont fait une demande. On a eu un hockey pour l'année prochaine. Fait que ça nous donne un an. On ne voulait pas commencer tout de suite, là. Chris, il là, faut monter une équipe. Ouais. Mais le euh, premier meeting qu'on a, les gars, Ouais, tu vas être président! c'est pour <laughs> vrai là, là, pour moi, là. Ça, puis je dis je... ok moi le faire ainsi. tu sais. le président dans le fond c'est un, un... un rassembleur c'est un gars qui touche à tout qui sait pas faire tout parfaitement mais qui tu sais puis dis, ça me va très <laughs> bien c'est <laughs> parfait Je <laughs> que j'étais chercher marteau qui était avec moi en radio puis qui est un gars incroyable pour ce qu'il y a en est de, du marketing puis tout on a chacun nos forces fait que là, on a lancé le club de hockey Seigneur 3A de Bellechasse. On a sorti le logo. On a fait une, 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 une conférence de presse il n'y a pas si longtemps pour annoncer nos couleurs. Puis, euh, écoute, ça a fait de boum. Tout le monde a hâte. Puis... Mais là, on est comme des flots, Chris. On est sur messenger à tous les 15 minutes. Puis, ben, écoute, c'est un, un boys club. On est en train se une équipe de Go de puis Seigneur 3A. Puis, j'ai j'ai pas 75 ans. Ah, ouais. Je n'ai 44. Fait que c'est trippant, là. C'est un esti de beau trip, là. Fait que là, on s'est monté des sautes puis des logos à la mode. Écoute, le troisième chandail, je sais pas si t'as vu. Troisième, tu sais, belle chasse, tu sais. Oui. Fait que là, on s'est fait un. C'est orange et vert parce que ça fait chasse pas mal. Mais, mais le troisième une, chandail. Belles, ben, oui, ben es c'est ça, calotte, exactement, là, exactement. Mais le troisième chandail, vu que c'est belle chasse, on s'est dit, comme, pourquoi pas faire un hybride? On va se faire un chandail de hockey pour que les gens puissent aller à la chasse avec. Mm fait que les gars vont en jouer des fois des games puis probablement toutes les warm-up. Le chandail est camo même. Ouais. Mais il y a comme une veste orange de chasse déjà par-dessus <laughs> que le logo là. C'est dommage nice. Tout le monde de belle chasse, va vouloir avoir un chandail là, pour aller à la chasse là. puis même en dehors parce que c'est c'est une première. Il y a jamais eu un sport professionnel dans sa planète qui ont eu un chandail de chasse. Non. Ça a fait jaser tout de suite à RDS, ils ont fait un, <laughs> un reportage là-dessus euh, direct à la sortie. Ben c'est bien cool. fait que tranquillement pas vite, ben, on va avoir l'année pour monter notre club puis euh, faire du marketing entourant tout ça. Mais c'est des gros sous, là, tu veux pas? Il faut quand même avoir un bon, un bon cash-down en, en partant. Mais c'est belle chasse, se tient tellement qu'il ouais. qu arrive d'avoir une équipe tout le monde de Le monde est en arrière. Oh, tout ouais. le monde est... Ouais. Mais ça se fait bien quand même. On n'a pas une grosse arena. Mais, mais vois-tu déjà là, on a fait ta conférence de presse, puis euh, on avait le, les députés, on avait euh, le maire, on avait tout le monde avec nous autres, parce que Chris, ça a vie là, de la place. Un 12, euh, 12 game à part les séries, dans l'aréna Saint-Anselme, de Seigneur 3 hein, ça va ça dans la cabane. C'est le House of Pain, mon gars. Ça va être Tu <laughs> oh, oh, sais, on, <laughs> on cherche vraiment là, tout le temps à rendre ça le plus agressif possible, puis de, de mettre l'expérience ultime, tu on veut vraiment monter la ligue, on veut aider la ligue à se faire connaître davantage. Puis je te dirais que même si on joue pas cette année, on fait tellement de bruit que je te dirais que toutes, Ça les, aide tout toutes monde. les équipes, Ça aide toutes tout les, monde. les équipes ont monté d'une coche parce qu'ils nous ont vu en fait comme OK ». que tant mieux, tu sais. Mais là, on est déjà dans les couleurs de, de... on veut mettre du orange partout dans la Alors... là, On essaie de mettre du orange dans le bas <laughs> des, des, de la patinoire. Euh... Comme à Boston, c'était jaune le tour des vitres. Oui. Petit, mais vrai. là, je veux mettre ça orange. En je faut que ça soit agressif. Il <laughs> faut que ça. Fait qu'on a du fun, man. C'est trippant. Ah. Mais, t'sais, vois tu vois-tu, pas faire la radio puis pas être qui je suis. Probablement que je suis pas là. là. C'est tout l'un tout qui fait en sorte qu'on qu peut faire ce qu'on fait. T'sais. On est chanceux de pouvoir faire ça. On est, on est choyé, man, de, de faire nos jobs. Mais et... c'est ta drive que j'aime ton, ton ta capacité de. Il arrive de quoi OK. Bon, mais ben là, je fais quoi? Ah, c'est arrivé puis, souvent, Non, mais tu sais, là? tu comprends, mais, mais, mais tu sais, oui, oui puis il peut y avoir des moments où ça peut être plus long, là, mais, mais c'est tout parce que pour moi, c'est tout comme, ah, là, il est rendu là. Ah, est là OK, là, il est là. Là, il hop, oh, là, il est assez... OK, il est... il est à Québec, fait... Je fais comme... Ah, j'ai neuf ah, euh, vies en Christ. Oh, là, là. Il a, le, le club de hockey, là, ça. Puis là, ça, j'étais même pas sûr. Je dis, il est en train de mettre. Il est tu il est... Ah non, non, on a parti ça pour aider. Je fais wow, man. ben ma fille, hier... Ben, la fille à ma blonde, qui est quasiment ma fille, elle dit euh, Les amis à l'école, ils me croient pas. Quand je lui dis que t'es toi qui es là-dedans, puis que tu fais de la radio, puis que tu fais de la télé, puis que tu es un club de hockey, puis tout, je suis comme, mais là, C'est ce que je te dis. C'est pas pour lui dire que c'est pas le vrai. Là. Je lui ferais un exposé oral sur moi, là, tu j'irai. Sais. Mais il a trait quasiment de menteuse. ben là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est pour des enfants tu te sais, dire Ouais, c'est mon père qui fait ça, puis c'est mon père, etc spécial un peu, mais c est, c est, tant mieux. Tant mieux si ça peut donner des exemples, mais... Ben, je pense c'est juste... Il faut juste, faut juste essayer de voir du positif dans tout. Ben, c'est facile ce qu qui se passe. Oui, c'est ça. faut, faut juste accepter ce qui se passe. T'sais, si tu fuis le négatif en disant que ça n'existe pas, ça t'aide pas. Non, mais... De juste faire, bon, il ben, arrive ça. Là. Je que ça. Oh, tu peux pas vivre dans passe, le... Là. Tu, tu peux pas vivre dans le fait comme ça n'existe pas, mais... Sans dire qu'il y a du bon dans tout, là, parce qu'il n'y a pas du bon dans tout. Il faut tout le temps essayer de trouver une façon d'en trouver, au moins. Puis si tu te lèves pas le matin en disant, Chris, je vais essayer de vivre la plus belle journée de ma vie, il y a des chances en crive que ça arrive pas, mais il y a des chances que ça peut plus aider si tu te dis ça que si tu te lèves du crise de journée de merde. cest tu sais. -ce quelque chose qui a changé, toi, avant ou après ton accident, ou ça a tout teinté là? L'accident m'a changé, je te dirais, c'est sûr. L'accident m'a changé parce que j'avais jamais eu vraiment de. J'avais jamais eu d'accident, j'avais jamais rien eu qui, qui m'avait ralenti. Tu t'avais arrêté dans tes tracks, ouais. toi, ouais. là, même si tu voulais Sans pas. Sans vouloir, fait. ouais. Mais non, Chris, ça, ça replace, là. Mais c'est parce qu'il y en a des fois non Tu te fais par, par un, un de char à 92 km/h. Tes chansons nestillées, là. Ouais. C'était pas mon Techniquement, tu devrais pas, pas être pour là. Pour Je devrais pas être pour là. J'étais à 92 km/h. 2 mm de la moelle épinière. Si ça fendait, 2 mm, j'étais en fauteuil roulant, puis. Je chauffe ma, ma vie avec un, un joystick, là, sais C'est écrit, c'est. Euh... J'étais avec Michel Borette, l'autre jour, pour évaluer ça. C'est quoi, tu penses? C'est possibilités que tu sois encore en vie? <laughs> c'est bien, là. Je sais pas, Michel, c'est dur à dire, si point 1%, t'sais. C'est ouais. ouais, mais c'est là, il va falloir le savoir. <laughs> ça serait le fun de faire un show là-dessus, <laughs> là, ça serait le fun. C'est je mais là. <laughs> ouais, ouais. Moi, c'est juste des fois, c'est parce que c'est des événements qui, après, t'as comme un autre. Ok, attends une minute, si je vais. Ah ouais, il faut trouver des solutions. Si. Il, y a, il y a juste des solutions. là. Moi, je suis tannant ça. C'est dur de vivre avec moi parce que. c'est si mettons ma blonde, ce qui vit de quoi? Puis elle, ben, elle vit de quoi? Puis elle a le droit là, de, de vivre de quoi? Puis de pas triper parce qu'elle vit de quoi de négatif ou de pas le fun. Mais moi, j'arrive tout le temps avec mes histoires. Là. Ah, il y a juste des solutions! Ah ouais, c'est ça, regarde. Là. Mais tu vois, moi, j'étais de même. Fait que j'ai appris. Beau, je te dirais. Non, mais Envers moi, j'ai le droit. Ben, j'ai appris les à autres. respecter le fait que ça, puis que. Quand la personne va me demander si toi, euh... là j'ai les, mais là je les impose plus. C'est ça. Parce que moi c'est sur terre souvent, mes enfants ou ma fille. Mais disent ben ouais. là, si tu vois. 10 minute là. Ouais, je t'ai rien demandé puis j'ai fait des années. Euh, Chris a raison. Euh, j'ai rien demandé puis moi je suis arrivé. Hé, là. là, on fait ça. de ah... <laughs> ouais. Pourquoi on prend un voix Michel là hein? Je ouais, sais okay, pas. Ouais, je... Mais parlant de voix de même, je peux pas pas te demander de me parler de Normal Amour. Ah ben écoute, parce que moi je les ai acheté ces des DVD je me pas encore moi, pour moi j'arrêtais au Madrid d'aller chercher son stock, tu comprends. Je le prenais puis je jouais ça puis j'étais comme ça me faisait rire puis quand finalement il a fait il était dans la pub de Pepsi, j'étais comme j'étais tellement content qu'il avait été au moins reconnu de non, il fait partie de... Écoute, il fait l'amour partie... c'est beaucoup grâce à toi que tu l'as comme ben, ben c'est Marc, Marc Labrèche oui. le premier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qui, mais moi, je te dirais. Tu sais que mes premiers, mes premiers stages c'était ouais. ça a été Radio-Canada avec Tam Tam avec Sébastien Benoît. Wow. t'as dit que ça Chris. fait pas Chris avec moi. Tam Tam. Puis après ça, c'était été la fin du monde à 7 heures. Même que c'est. Non, ça a été avant. Ouais, avant. Tu donné. Moi, je voulais faire de la télé, j'étais à Chouet. Fait que c'était ouais. 99. Bruno Blanchette, on trip tout dessus. Yes. Il y avait une porte ouverte. Non, c'est pas une porte ouverte, c'était la présentation du mouton noir de l'information. T'en rappelles-tu? C'était yes. ça, TQS Yes. Fait qu'ils ont fait ça, eux autres, dans un parc à Québec, dans le coin de Limoulou. Fait que moi, je dis, je m'en vais là, puis je m'en vais à Bruno, Puis je demande que je veux faire de la télé. C'est ça que je fais. Fait que je pars. Et puis avec mon paquet sec. Mes affaires, voir bon, Bruno Blanchette Je tripe sur toi. c'était que t'es hot, tout. Ben Bruno, ah, ben moi, ouais, c'est gentil. <laughs> dit, je me rappelais tout le temps. <laughs> j'avais un collier. <laughs> j'avais tout le temps, moi, à Musique Plus. <laughs> je sais pas si tu te rappelles. J'avais tout <laughs> collier lettres. Ou tout. Là, j'avais un Chris de gros collier. mais t'as dit, beau, bon, ton collier. <laughs> Christ, le vœu » là, le collier-là, il s'est promené. Il l'a donné à Marc Derry. Tu vois, c'est Ok, dit ce ça, c'est bon. Fait que là, Bruno, je dis à Bruno, je dis, moi, j'aimerais ça faire de la télé. Ben, pas de problème, mais il papier, papi donne un numéro de téléphone, tiens appelle moi, il vient chez nous puis euh, c'est tout. Je suis comme pour vrai. Mais il y a de ouais, même. Oui, mais il y a, y a de même. même. Fait que la semaine d'après, je l'appelle, Il restait sur Saint-Hubert. Il vient à chez nous, fait que je m'arrange chez eux Fait que à chaque fois qu'il y avait un lutteur masqué, c'était tout à moi. <laughs> il dit il dit oh, là j'étais comme hein, mais je veux que les gens me reconnaissent. Je veux que le monde les voit, je suis qui mais je lui ai dit que c'est moi puis il me croit pas, tu sais. Il dit quand tu seras payé? On oh, te verra! Mais tu sais, même lui, avec du recul, j'ai su okay. qu'il il gagnait, lui. Ah, là, il gagnait genre 100$ par topo, là. Fait que je peux croire qu'il voulait pas. Euh... <laughs> fait que c'est de même, ça a commencé. Mon euh, <laughs> histoire avec le Tellur, hey, j'ai commencé, toi, avec Bruno Blanchette, puis toutes ces histoires. Quel homme incroyable! Mais euh, normal amour. revenez à normal. Ben, euh, Faisons juste une pause avec Bruno. Moi, j'ai eu à la chance, j'ai été faire un film à un moment donné. J'étais pas là longtemps. Ça s'appelait La Grande Séduction. Ben oui. Je me souviens mais de ça J'arrive là-bas. Oui, exactement. Dans le, dans le perdu, dans le Nowhere. Euh, histoire courte, là, c'était horrible. Parce que la moitié du village là-bas avait voté oui. Puis l'autre moitié oui. ça a fait 51-49. Mais il n'y a pas assez de. Il y, y, y a un Bed and Breakfast de trois chambres. On était une équipe de tournage. Fait que, si tu es chanceux, tu habites chez les gens qui ont dit oui. Si t'es pas chanceux, tu habites chez ceux qui ont dit non. Ah ouais, en plus. Ben oui, il y a pas assez de place. Ay. Moi, j'étais chez des gens qui ont dit non. Fait que tu pas le goût d'être là. Fait que moi quand je suis arrivé là, là, je suis dans la chambre d'une petite fille que j'avoue dormir dans le salon. Euh, avec ouais, ouais. la saison de pêche. De c'est le gars, c un, le monsieur, c'est un pêcheur, c'est une feuille anglophone. T'es pêcheur, euh, là il vivait la dépression, que la pêche était finie. Fait qu'il était dedans, lui. lui là, à 3h du matin, il est dans le châssis. Il m'a jamais dit un mot. Hey, sir, how you doing, B? Tu regardes juste de même, puis... À ma nez, il pleut trop fort. L'eau rentre dans la chambre. Là, je suis comme euh, qu'est-ce qu'on fait? Fais rien. Si tu prends des. Hey, J'avais juste en de fait Bruno lui. Ah, mais était mais, dans mais Bruno, non, lui, il était sur le tournage. Fait lui, ce que j'ai vu, j'ai fait un peu comme toi, j'ai fait. Ah, man, je fais jamais ça, mais faut que je te dis, il y a pas beaucoup de monde qui m'ont fait rire comme toi, tu me fais rire. Et là, on est parti. Est cool. Et, et c'est une espèce de petite, juste amitié de même qui est restée jusqu'à aujourd'hui, juste parce qu'on a ri Quel ensemble, homme. on a niaisé. Super généreux, super fin, très, en, très honnête, comme. Ouais, right. tout euh, ce tu c'est comme bang, là. Fait que ça, j'ai adoré, mais c'est juste pour finir, puis. Ah, il, il fait des 60 normal, mais... km à la course tous les jours. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, Je vais aller vivre en Thaïlande un peu. Là. OK. Ça va être le fun. Ça va de... être le fun. Ça je vais va aller courir. Le... Ah ouais, puis ah, okay, après es ça, revenu? je suis revenu un petit bout. là. Mais je suis allé en Afrique. Je suis allé tourner mon émission. là, là tu vas faire quoi cet été? Je vais faire un podcast. <laughs> on va faire le tour des micro-brasseries, mais en courant. Fait que là, toi, tu vas faire 60 km par jour, puis le soir, tu vas te mettre oui. chaud. C'est ça. Oui. Puis le lendemain, ils vont partir. Oui. Oui. Oui, mais c'est très clair. C'est correct, man. Puis là, ton linge, il est où? J'en ai pas. <laughs> Dis, tu remarqueras le truc quelque part. Ah, il switch de calotte. Ça, je... Il switch de calotte à quel monde? Il donne sa calotte. <laughs> le monde, il donne une calotte. Son sac, il est gros de même. C'est ah. un sac de bananes. Il, il doit une il pas d'achat. Il est fabuleux, man. C'est incroyable. Puis ça, c'est des c'est du monde? Mais c'est ça. Puis tu veux. C'est comme. Tu ah, sais, il devrait faire. Non! Laisse-les faire Laisse -les ce que fasse, lui il veut, il veut faire Puis embarque ou embarque pas Fine Mais créez pas des barrières là? Penser, Parce que lui il oui. faut juste que tu tues Tu sais le petit gars de Saint-Nazaire de Bellechasse là, Qui allait jouer au hockey là, dans toute l'histoire de la Ligue Appalaches Puis que je m'habillais vite Pour monter en haut pour voir son topo mm. pouvoir descendre mettre mes patins Je me ramasse chez eux un an plus tard la chance à que j'avais, man. Puis, je. Écoute, je capotais. Je te je pourrais même te dire la date quand je suis allé chez eux la première fois. Parce que c'est quand Eric Lindros s'est fait sonner à ce Par Scott, Scott Stevens. Scott Stevens. ce soir-là, j'étais chez eux. Puis, moi, Lindros, c'est mon joueur. Fait que je je m'en rappelle comme mmh. si c'était hier. Là, ouais, il va pas bien, hein? <laughs> On connaît le même. Je pense qu'il va pas bien, hein. <laughs> non. J'ai rencontré d'ailleurs Lindros. Ah, oh, je... ouais? J'étais je je... Je comme un flou. Ça a mal fini, mais. Quel, quel joueur. Quel joueur. Quel Écoute, joueur. il était au tournoi, puis oui. Pour signer l'autographe. Moi, j'arrive là, mais passe ce média, mais avec mon chandail d'Oshawa. <laughs> un sac à dos qui a un casque d'Oshawa. Tu sais, le casque bleu-blanc. T'es bleu vraiment un super fan de... Ah, oh, un ouais, de... okay, fan, là. Okay. Fait que là, moi, je descends en bas, puis le monde me connaît, ils me connaissent, connaissent pas tant. Ils sont dans leurs affaires. Fait que moi, j'arrive en bas dans la salle de presse, puis je pose pas des questions, Chris. Je sors un casque d'Oshawa. Fait que lui, man, il trippe sur moi, il vous êtes le seul partisan assis de moi ici à Québec, là, avec tout ce qui s'est passé. » J'ai dit « Peut-être, mais moi, dit, je capote. » Il a dit « Laisse-moi faire mes affaires, puis il dit, je te reviens. » Je suis comme « Eric Lindros qui me parle de même. Mais... »« Je vais te présenter ma femme. »« What the fuck, man? » Même les organisateurs, ils viennent me voir. « Ouais, ouais tu n'as pas le droit de faire ça. » Je suis comme « là, c'est lui qui me parle. »« Non, 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 c'est beau, il, il ouais. est avec moi. »« Il est avec moi? Qu'est-ce qui se passe, man, aujourd'hui? <laughs> » Fait que là, euh, il fait ses affaires, il peut même passer une heure avec. Il dit, reste avec, reste avec moi là, pendant que les autographes, il dit tout à connaître pas mal de monde, ici, puis tu c'est le fun. J'ai dit, correct, man, c'est le fun, au bout. Mais vois-tu, c'était un bon joueur, mais je trippais. C'est comme ce que, que je te dis d'être un Oui, mais Mais ça, toi, toi, t'as pu voir l'autre côté de ce gars-là, qu'ici, on ne nous a jamais montré. Ben, ouais, ok, je comprends par ouais, oui oui c'est ça, il y a eu là, de... mais tu sais là c'est jamais moins il... au blanc, il y a du mais quel quel hey, ah t'es carré man, ah nest de bon hey, il, y eu, il y a eu des années, à il sort avec québécoise là, là, maintenant, pour vrai, ben ouais, ah, c'est sa femme, c'est une québécoise, fait que c'est pour ça que je pense qu'il doit être un petit peu plus, euh... il doit plus apprécier le fait d'être <laughs> au Québec là, ouais, Fledelphi man, ça a été des, a été des, des années, années là, <laughs> Écoute on parle de ça que Simon gagné l'autre jour. sais. Simon disait, c'est un Christ de joueur. Mais tu on est chanceux de faire ce qu'on fait. On n'est pas meilleur que les autres, mais ça nous ouvre des portes à rencontrer des gens du genre. Puis de voir les gens qu'on apprécie. Puis de se rendre compte que Chris c'est du monde comme n'importe qui. C'est ça qui est hot, qui nous grand. Cette semaine, j'étais avec Laurent Duvernet Tardy. On s'entend-tu que le gars, il si, a des skills. Là, il a gagné le Super Bowl. C'était un docteur. Puis le choses avec, man, il est fou. Focus, il est direct, il est hot. Tu as tout à apprendre à voir avec ce gars-là. À... Puis je suis parti, on avait une conférence avec lui, puis j'étais sur le panel qui posait des questions. Fait que okay. moi, mon rôle, c'était de mettre ça drôle un peu. T'sais. Les questions des autres, c'était tout le temps comme, ouais, euh... je sais pas, moi, l'équipe ou euh, peut-être victoire, ton an, t'sais, moi, Taylor Swift, t'as-tu déjà fait des avances? <laughs> Genre la <de> question. <laughs> ben j'ai besoin de docteur de famille, ça te <laughs> tendait. Fait que c'était drôle, c'était le fun, mais. Je suis parti de là puis il a fallu je déground mais j'étais comme Man, qu'est-ce qui s'est passé ça c'était c'était je suis revenu à une petite vie mais ben normale mais tu on est chanceux là, de faire ce qu'on fait là. on est chanceux de faire ça tout pis moi l'affaire Quand... de notre travail c'est que puis, puis de ces athlètes là où c'est aussi c'est des... très spécifique comme si t'es pas drivé parce que t'aimes aimes ça ça durera pas longtemps parce que c il y a trop tu de peux pas compter ton temps non c'est dur pour les gens qui nous entourent par exemple oui. c'est pas j'suis pas facile ma blonde c'est moins que t'en vas où là je m'en vais dans un podcast puis à soir le monster <laughs> truck puis euh, on, on écoute ouais mais c'est pas que t'as travaillé beaucoup cette semaine puis ouais mais oui mais c'est comme ça mais le fait que je suis là man, comme personne pour pour ma, ma blonde puis pour euh... Pour, pour la petite, mais il reste que crif. On a des vies, qui sont hors du commun. Ben, hein. c'est souvent aussi, c'est du tout ou rien. Fait que le. Quand c'est le, le, le tout, c'est comme. C'est là. C'est là, tu sais, là, t'sais, là, t'sais, là, les, les, les derniers mois puis le prochain, ben c'est du six jours semaine. Ouais. Des fois du sept. Fait que c'est comme. C'est comme ça. Si je fais pas du fais tout. pas du neuf à cinq. Faut que tu prennes tout ce qui passe, là, tu sais. Mais c'est pas j'ai une question de talent. Tu sais, souvent, je me fais poser la question, c'est quoi, tu penses, qui fait en sorte que. Non, le talent est là, que que après ça, ça c'est le travail. C'est ça, c'est le travail, ça drive, c'est de saisir les moments. C'est de les créer, les moments. Si moi, je me prépare pas, puis que je mets pas mon chandail de chaos, puis que je traîne pas un casque, mon but ultime, moi, c'est de rencontrer Lindros, puis c'est de jaser avec lui. Si je fais pas ça, ça arrive pas. Si je cours à... si je cours pas après un peu, ça arrive pas là, ça m'arrivera m... C'est ça qui est le de toi, est mais c'est comme le ça c'est on dirait que c'est l'élément récurrent où tu pas peut-être que ça rentre même pas dans l'esprit toi la peur de ou ah d'un coup que non, il y a comme l'objectif est plus important que le qu peut-être que ça marchera pas. Non. Mais, mais à ça. moins que je me trompe, mais non. depuis le début, c'est ça, puis... ça puis bon, il y a, mais je m'en des affaires qui marchent pas, tu sais. Mais je que c'est comme, pas grave, je m'en vais là, je, je veux parler à lui. Je veux parler à Bruno Blanchet. Ok, go, j'y je, je je, je vais. Pas, euh, pas ouais, dans le. Peut bon, euh, peut-être il... y aller un moment donné. Ou. Non, non, euh, non peut-être qu'il ne me parlera pas, ça ne vaut pas la peine. Tu ne te dégonfles pas toi-même, tu laisses. Oui, mais ça arrive des oui, fois, mais mais nous, ça, ça je dis, mais, mais tu laisses l'événement faire. Ah, finalement, ça n'arrive arrive pas. Pas toi, juste dans ta tête. Ah, je devrais ah, faire ça. Tu sais, c'est un peu comme. Je parlais à des gars, des Ah, les filles, je dis écoute, « Reviens-toi pas toi-même. Va y parler. » Puis si elle te revire, fine. Mais non, là, tu te fait... avant qu'elle... Euh, mais la confiance, c'est tough. Surtout, on vit dans une période où c'est dur parce qu'il y, y, y a tout le temps quelqu'un pour te dire que ça serait pas correct. Mais il va tout le temps avoir quelqu'un... Mais on dirait que c'est pire que c'était. C'est juste pire parce que c'est exacerbé parce que là, je peux faire... Ouais, je suis là en estie comparé à lui. Ouais, je fais pas assez d'argent comparé, Mais là, c'est de la comparaison. Fait que c'est difficile, mais... Même avant que c'était là, il y aurait quelqu'un dans ta classe qui va être meilleur que toi à faire ci ou ouais. ça. Fait... Mais ce que j'aime de toi, c'est que tu vas laisser l'événement ou le. La... Toi, tu vas faire tout en ton pouvoir pour faire Ben moi j'aimerais ça que ça, ça arrive. Des fois, c'est pas arrivé, mais c'est pas parce que tu t'es ben es resté sûr. immobile ou dans... Bien, pour toi, c'est sûr. Moi, il a fallu que je l'apprenne. Je suis en train de le faire là, Dan. J'ai 50. Puis je suis en train de le faire là, les, mais c'est correct, les, les mais les rôle, gros rôles que t'as eus, Chris, c'est parce qu'en quelque part, t'as oui, pas mais, mais, mais un Oui, Et c'est une chose que je voulais faire. Oui. Je comprends. Moi, ça, j'ai tout le temps voulu faire ça. Faire ou faire de la radio, ou faire ci, faire ça. Puis j'étais Ah, mais je vais juste Ah, je comme... Mais j'ai tout le fait. Mais tu fais, comme fais comme Non, ça. attends. Fait que là, je me permets de faire... OK, fuck off. Ouais, mais ça marche pas. Ah, moi, je marche pas, puis je vais passer à d'autres choses, puis je vais faire d'autres choses. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'aime du monde comme toi. Ben, c'est bizarre parce que c'est le... Sans le prêcher. Tu n'étais pas en train de dire Ah là Non Tu fais tu fais Garde. les gens que moi j'aime, que je connais moins, je, je les aime parce que je fais Ah, ils montrent quelque chose sans me le. Me le me... dire Ah fais ça Faut okay. pas tu cherches à savoir c'est quoi les chances de réussir. Faut que tu dises plus comme On l'essaie, Yes. C'est tout, là. T'sais, ça n'a pas toujours été des, des, des réussites non plus. Là. Puis ça arrive des fois qu'on se pète le nez. C'est qu juste qu'à la minute la que ça. ça arrive, tu fais comme bon, ben on passe à autre chose. Et c'est l'attitude qu'on va avoir. C'est quoi? C'est quoi le next, ouais, le next ça, Bon, mais regarde, OK, qu'est-ce ouais. que c'est ça? Je peux tu éviter, ça va-tu seras? Ok, bon, ben bye, go. C'est ça. Fait que là, on a fait le tour, mais faut revenir à normal à l'amour, man. Ah, normal, écoute, ok. Je te laisse pas partir, c'est normal. Norman, normal Amour. l'amour, normal l'amour. comment, comment, comment qu'il est rentré dans le festival? Babu à bord, on fait le tour du festival, comme yeah. je te disais tantôt. Fait yeah. que, veut pas le Madrid, on fout le notre sure, char là, Chris. Puis c'est là que moi, j'ai connu la famille RL avec qui je fais le Monster Truck. C'était les mêmes propriétaires. Ah, oh, t'es-tu sérieux? Ben oui, le, ah, le Madrid appartenait vrai. à M. Arel puis à Chris, puis à sa sœur, qui sont les promoteurs du Monster Truck depuis okay. toujours. Donc c'est pour ça qu'il y avait un Monster Truck. Ok. Tu vois, tu, vois, tu me fais. Fait que un là, ami. moi, j'ai commencé à animer les Monster Truck dans ma première année de Musique Plus. Donc, ça revient à 2002, bref. Fait que ça doit faire 21 ans que j'anime les Monster Truck. Fait qu'on arrête au, au Madrid de voir Chris, puis voir la gang. Puis là, ben, tu d'un coup, oh, la poignée de porte! Fait que on le connaît, Normand. Fait que là, on va le voir, Normand, puis on sort la caméra, puis on commence à jouer avec lui. Puis il commence à nous montrer, puis là, là, il, il va t'ouvrir l'esprit, puis toi, t'es en phase 2, parce que je Moi, ma... la première fois que normalement me rencontre, T'es une personne spéciale. Peut-être qu'il disait ça à tout le monde. Mais t'es spécial, toi. T'es de quoi? Je quand À chaque fois qu'on passait là, on le TP. Puis à un moment donné, je l'ai vu forcer après ces crises de caisse de deux. Parce que lui, là normalement il y avait sept tours d'ordinateurs qui viraient jour et nuit à TP des albums. Puis il vendait tout. Ce bonhomme-là, il a vendu plus d'albums que bien des artistes. Indépendant, man. Vendre ça c'est épouvantable fait que moment donné, je vois ça je dis comme je, je dis euh, on avait fait un show qui s'appelait En il ouais. c'était un espèce de pimp monchard yes fait que là euh, je vous dis comme ça vraiment serait... les wow, choses. Char. Vrai. On, on faisait pas, pas, comme, pas comme, comme les autres vous savez je sais c'est pour Est -ce ça que je te si dis on dit, travaillait parce que ouais mais pas juste ça écoute les autres ont déjà que c'était frémé, nous autres on le faisait puis on n'avait pas une grosse équipe, là. on parle de musique plus. Fait que. Euh, trouver commanditaire, c'était moins, ouais. trouver les pièces, trouver les chars, tu sais, tout là. Fait que là, Normand, il euh, y avait un vieux Ford que. Euh, c'était comme une Nicodoline. que là, j'ai dit Normand, on va refaire ton char à Magané ».« Pas de problème. Fait que là, on va chercher son camion. On y avait refait la norme. La norme mobile! Je le vois encore. Fait que là, mais juste avant, on avait fait la promo du Top Rock. Yes. Le Top Rock! Puis je me fais chanter ça <laughs> tous les semaines encore. C'est disponible <laughs> sur YouTube et tout. Puis ça, ça a été vraiment one take. Là. On va à Sorel. Son agent de l'époque était euh, le propriétaire de la maison. De, de, n'est-ce pas, de, 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 de magasin de musique. Puis on s'en va au deuxième étage. On a emmené un clavier. On emmène Normand. On, on met une caméra là. Pis là, le topo, c'était comme, laisse-la aller, pis à un moment donné, il arrive dans la shot, pis le top rock de Babu, du lundi au vendredi, 9h30 à musique plus. C'était ça le synopsis. Waouh. Fait qu'on s'installe, lui, tout, 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 tout. Là, on n'a aucune idée, même ce qu'il Ah, le top rock, le top rock de Babu, je l'aime, je l'aime. Fait que moi, ici, là. Le top rock de Babu, du lundi au jeudi à 9h30 à musique plus. Ah, on l'a! Wow. Je me rappelle le PA, il dit on l'a. Quoi on l'a? non, on yeah. l'a! Ben là, Chris, ça a pris 17 secondes. J'ai dit ça se peut pas, là. Non, non, on dit, c'est fini. On leur fait même fait même pas un autre. J'ai <laughs> dit je m'achequé là. <laughs> Mais c'est parfait. Fait on regarde ça. C'est parfait. parfait! Fait que, là on descend à bas. J'ai fait une entrevue, ça, je le lu dans mes mini DV, je le sais. J'ai okay. une entrevue avec Norman Amour qui a jamais. Fait, écoute, on doit avoir pris 14 secondes dans une heure et demie. Wow. Ça ça serait une affaire je devrais mettre ben, YouTube ça Peut-être au moins le le le, le sortir de Ah milieu, même là, même, ça, même ça être être nice, là, même là pour le mettre au complet. Ben je pense que oui. Fait que euh, écoute, là, on a sorti le show, on a fait deux épisodes là-dessus. Ah oh, fut un temps, où j'étais que René je peux te jurer là, j'étais tanné d'entendre parler de Normal mais là tu me m'as donné euh, il est décédé puis ouais. euh, écoute il <laughs> Quel homme, ouais. Pas de tattoo de normal. Non, pas encore. T'as pas de a une jambe, jambe, jambe normale à côté de Jimmy, Mais ça, ça, ça pourrait serait une bonne idée nice, parce que j'ai une jambe, J'ai une, nice une, une jambe au complexe, c'est des signatures de gens décédés. OK. Puis ça encore, c'est une affaire qu'à chaque fois que je me refais faire, c'est épouvantable comment qu'il y a des nouveaux. Des qui, nouveaux? Hey, c'est épouvantable. Mais la les dernière fois, c'est euh, du, du, t... du monde que t'as connu ou du monde que toi. C'est du monde que j'aime, genre. OK. C'est comme Mike Bossy, Guy Lafleur, yes. euh, Kurt Cobain. Euh... Les mythes, c'est une patte. j'ai trouvé une façon que, trouvé une façon, j'ai triché un peu parce que des signatures, ben c'est tout petit. Fait que si école, ben ça fait pas trop mal. Ça fait une pas... <laughs> au complet. C'était ça le concept. C'est ça qui s'est passé, fait que, tranquillement, pas vite ça monte. Là, vois-tu le prochain, c'est André, euh... Euh, André Arthur, le prochain. Oui. Monsieur que j'ai connu. Oui, oui, oui. Moi, j'ai connu. C'est monsieur, qui... monsieur que j'ai apprécié à fin c'est là ben, je dirais peut-être ah, les, 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 les les 7 8 dernières années avant qu'il ben, ben, il... écoute j'adore pas toutes là, pas... tout, là pas toutes c'est pas la même chose mais, mais apprécier le ça c'est autre affaire qu'aujourd'hui on ah peut... oh, mais j'aime pas ce qu'il dit de cette affaire là correct man j'ai des amis on s'entend pas sur tout esti il y a des affaires que tu fais c'est correct mais tu... mais apprécier le, le, le monsieur là, ben, écoute moi j'ai fait partie de... de ceux qui ont ben, on travaillait en même temps moi j'étais avec 100.9 puis lui il était à choix puis on avait la chance de. J'avais la chance de le croiser à tous les jours. Mm. Puis il venait juste de se faire dire qu'il pouvait plus conduire d'autobus. Fait qu'il y avait du temps. Fait qu'André faisait son show. Il plus tapait parce qu'il ne pouvait pas être live. Il fallait qu'il plus pour, pour être sûr. sûr. <laughs> C'était ça pareil. C'était Brun d'ailleurs. C'était Brun que je t'ai parlé tantôt qui devait écouter le show <laughs> pour. Pis Asti que lui il y eu ça. Okay, okay. Là, il était comme. Man, je veux rien couper. Là. Quand à chaque fois je coupe de quoi, coup, André il pète un esti de plomb. C'était cool. <laughs> <Je là. comprends. rire> Fait que là, à chaque jour, je te dis, on devait prendre un trois quarts d'heure, un heure à, à s'asseoir, wow, puis à écouter le sais. bonhomme nous jaser tu sais, peut-être pendant six mois. Fait que apprendre sa radio, Chris, c'était l'université en arthur eh ben, c'est ça, je, ça que j'avais dit. T'oublies. Parce que la, la, mais moi, qu ça, j'aime le côté politique qu'il a fait, mais puis... ben, Je pense que ça. ça fait partie de clé de mon succès de d'apprécier le fait de jaser avec des mentors mm. comme, comme eux autant au niveau euh, de la business qu'au euh, niveau du sport, qu'au niveau de, de l'économie. C'est le genre de... Moi, je m'abreuve de ça. Écoute, on est chanceux de pouvoir croiser des mentors de même. Ça n'a pas de prix. C'est le même qu'on apprend. T'sais, moi, j'ai un secondaire 5 avec des maths de 4. C'est correct, ça. c'est assez, là. Je pourrais être professeur. <laughs> je pourrais être professeur maintenant. C'est correct, ça. C'est correct. Ça mais -tu... mais là, tu veux lire, tu veux écrire. Après ça, tu vas avoir un monde de pensée critique. C'est ça mais j'ai bien de la Go. difficulté comme tu dis tantôt tu dis tantôt on n'est pas tout le temps d'accord avec tout le monde là c'est pas tout le temps c'est impossible c'est impossible c'est pour ça que de mais voir je des je gens... pas aux poubelles parce que mais ah mais moi je pense ça ben ok je ouais. pense ça tu ou... la, la semaine passée la semaine passée c'était quoi non? A... souvenir je sais pas quoi là sur Facebook puis là ils ont posté une photo de Norman amour mm. puis tu sais monsieur est décédé là. Il y a de tête qui vomit puis tu sais que je suis comme ça donne quoi, là, ouais, Mais n'oublie pas d'aller Mais il y a plein. Ouais, tu peux faire ça mon gars là-dessus. <laughs> oublie pas, quand les gens font ça, ils savent pas, ils voient sont, sont malheureux. Mais ouais, je suis d'accord. Puis c'est ouais. souvent des gens qui n'ont pas personne. Puis là, c'est comme un. Moi, oh j'existe. Je... Ouais, c'est oh, ça. Ah, il y a quelqu'un après ouais. ça qui interagit avec moi. Bon, c'est peut-être pas la meilleure interaction, je comprends. Mais, mais je ne te dis pas que c'est correct. Mais il y a comme un. Tu sais, c'est comme ma fille. Là. Mais les elle gens veut, ont Elle pas veut commencer à faire ça. Elle dit ben là, je vais aller les affaires. Si tu veux lire les commentaires, Lily. Les les. Mais oublie pas. Réponds sur, ou pas. Tu vas avoir au moins un 10 ouais. des commentaires qui vont dire t'es, tes grosse, tu pues. Euh, va faire ranger tes dents à ce euh, pas du pont. C'est immanquable. Oui, mais. Non, non, c'est immanquable. Moi, ça me fait rire. Mais je suis de de ben, Moi, est tout, tout le monde qui est comme Moi, Ma blonde a de la misère avec ça, puis c'est tout le temps ma feuille. Mais c'est plus dur quand c'est comme pas sur, pas toi. Comme sur le dos d'un canard. Mais tu sais, c'est plus dur quand c'est pas toi, Danny. Parce que si, disons, t'arrêtes des commentaires sur ta blonde, tu vas nous. T'as Mais c'est ça, je te dis. C'est plus dur quand c'est quelqu'un que t'aimes. Ouais, quand c'est toi, des fois, tu vas. C'est pas grave, il va tout le temps voir. Ouais. Mais il va tout le temps voir, au moins 10 qui vont faire. Je t'ai. <laughs> <laughs> OK, man. T'es qui, toi? Moi, je te dis, t'es qui, toi? Qu'est-ce <laughs> que t'as fait? <rire> <T'sais>? <rire> Qu'est-ce que tu fais? T'as ta souris de la... du la de ouette, oui. pis probablement que t'as la main dans tes culottes de l'autre. Oui. Pis t'es là, pis man, ta gueule. Pis la main des culottes, ça ben, en va d'un cheetah. C'est ça! Mais non. non, mais, <laughs> mais on vit là. C'est correct. Ben, c'est correct. Je ils je... sont pas bien, pis ça va pas bien, pis ils ont besoin de. Amen. Ah, ben, moi, ça me renforce à faire souvent de faire comme, hey, je suis content de faire ce que je fais. C'est de les rencontrer. Ce le monde fait. que je fais, que je fais, comment que c'est nice, tu sais? Mais quand, quand tu me parlais de hockey tantôt, là, quand j'étais jeune, j'ai vu, j'aimais ça jouer au hockey. Puis maintenant un moment donné, j'ai vu, mes frères, j'ai fait Ah, oh, c'est ça du talent de hockey. Ah, ok, ben, je va vais faire Non, j'ai fait Bon, je vais faire autre chose. Mais je suis surpris, même quand tu me dis que toi, le premier, tu voulais pas jouer un joueur de hockey dans. Non, je suis trop dans petit, il n'y en cas. a pas, ça n'existe pas. C'est juste physiquement, trop trop je me disais, vous connaissez pas ça? Et pourtant. Puis après, c'est une chance d'aller. J'ai dit merci à Jean-Claude qui avait insisté. Tu pas obligé d'inciter, je commençais. C'était oui, euh, au mouton euh, noir de la ça, télé, ben la ouais, première saison, c'était à TQS, man. Il était bonne cette saison-là, tu sais, man. Une elle était le fun, fun. La première la saison, saison première qui est du... venue, oh, ouais, venue. C'était bon, en hein, crise, là, Fait que là, euh... mais, regarde. Hey, là, en seconde, hein, on revient une la seconde, le premier, ils se font repêcher, ils travaillent sur des trucs mium Yes. les deux. Mais, t'as-tu dit que t'as joué avec un peu de... Les tournées lancées contre, t'avais-tu joué avec les anciens nordiques? Non. Ça, là? Non. Ça, j'ai eu la... à cause de lancées contre. Là, okay, là. J'avais joué avec les anciens canadiens. Des fois, ils manquent des joueurs. Fait que là, ils vont chercher. C'est super. Mais. Fait que t'as joué avec Alain Côté, toi. J'ai fait avec un été toutiers, avec puis... Mousse Dupont et Alain Côté. Tout ça. Et ça, là. Puis on partait, on... on montait à Québec. Puis on partait à Québec on allait au Saguenay. On a... Des ouais. petites affaires. Quand tu dis t'étais avec André Arthur, là, fait que là, là me... je me souviens dans l'autobus en arrière, là. C'est juste des histoires jusqu'à temps que le week-end finisse. C'était magique. Le seul bémol, c'est que les gars, comme il disait, ils dit, Nous, on n'a pas de relève. Là. Ils nous dit qu'ils sont, sont partis. Il n'y a vrai. pas d'autres joueurs comme les anciens Canadiens, plus jeunes, qui viennent. Fait que, que, que là, c'est nous c est c est fou, autres qui faisaient euh, aller dans le coin. Là. Ils disaient, mais on n'est pas des joueurs. <laughs> <là>, c'est eux <laughs> ça ça même, qui ont 70 ans. Là. Là. Man, ils sont encore capables. Ben, c'est parce ils sont tout le temps en bonne place. Oui. Puis la passe est tout le temps sa palette. mais la lave-la dans ta tête, Esty! <laughs> ben, bon, juste pour le fun. Ben, là. rire, là, mais ça, ça a été un privilège, man. mais hey, ben, ben, ça fait déjà deux heures, dude. C'est le fun. Hé, hey, un gros merci, man. Ben, merci à vous. Un autres. gros Et merci pour cette invitation. Tu... Ben, non, on va pleiner le au. Ben, mais, hein. On va me faire plaisir. Je ne même pas parlé de 19-2. Euh, moi, ton rôle, il ben, m'a marqué. Cinq minutes, vas ben, honnêtement, moi, c'est une des séries que j'ai ai aimé le plus dans ma vie. Claude puis euh, Réal, moi, je les ai connus quand ils écrivaient. Yep. Moi, je suis Forrest Gump, c'est ça qui est fort dans ma vie. Moi, j'ai beaucoup aimé Forest Gump, puis j'ai l'impression des fois que j'ai vécu des affaires qui ont. J'ai vécu des affaires, des points dans le temps avec des gens connus. Mm -hmm. Claude, ben, quand qu il écrivait avec Réal, ben, je me tenais avec eux autres un peu d'un bord parce que les gars ils sortaient un peu une fois de temps en temps parce qu'il écrivait tout le temps, tu puis là, il voulait juste sais, J'ai vécu ça. Fait que 19-2, pour moi, c'est ça. Puis c'est vraiment une des meilleures séries québécoises. Puis ton rôle à toi là-dedans, c'est pas le plus beau rôle de l'histoire parce que t'es dark <laughs> en tabarnak. Mais si que tu joues bien là-dedans, man. Puis Christ que tu te vois. Moi, de la question que j'ai en terminant par rapport à ce rôle-là, ça tas tu marqué, man, de jouer un tout croche de même qui brosse sa femme puis tout, Ou t'es capable c'est en des fois des rôles qui rendent bizarre après non pas moi, mais ça m'a permis à être un meilleur acteur comme je sais pas on a juste joué ça vite en montant et marche tantôt de m'enlever de mon chemin puis de de me tasser complètement parce que personnellement c'est pas le goût c'est sûr quand tu vois le script c'est comme t'as mais ça m'a permis de tasser puis comme ça être capable de faire du bon travail puis je pense que je l'ai parlé ici ma fille me l'a demandé. Il y a un monsieur un donné, qui m'avait arrêté dans l'IGA. puis il dit Moi je de même. Ah ouais Il dit Moi j'étais de même. Il était en prison, je suis revenu. Puis je dis, j'ai appris à ne plus être de même. Tout ça. Puis quand je t'ai vu, j'ai fait C'est ça, j'étais comme ça. Fait que ça a donné ça. J'ai fait Waouh. Wow. Fait que si as oh, fait ça à une personne, tu le... l'as fait mais à la... toi. La... Ça C'est indépendamment, ça. Ça. mais il m'avait juste dit C'est comme ça. Fait que vous quand on parle que de quelqu'un du positif dans quelque chose? Là. Mais quand tu disais hey, que les arc, gars, là, là man, La même là. affaire, moi, les gars, là. Moi, les gars m'a montré, c'est un morceau de napkin. Des bars. Hey, on a eu cette idée-là. Si on va voir si jamais ça marche, euh, on aimerait ça que tu viennes. Puis une couple d'années plus tard, ça marche. Mais Tu j'aimerais ça faire une police. Si jamais il y a un rôle qui Fucking se libère, right, je serais beau dans une veste anti-balle. <laughs> un tout passe mon peu tes policiers. J'ai tout le temps voulu jouer une police, mais c'est rare euh, que je me fasse offrir des polices. Je suis tout le temps plus des petits cris. Je sais pas pourquoi. Vous regarderez Bumroche, puis vous regarderez... Euh, tout se fait. Tout, les, les tout se fait, man. Parce qu'après ça, tu peux juste... Ça, il n'y a pas de problème. faut juste que quelqu'un fasse des temps. C'est simple, Un gros merci. Yeah!